suis à peu près à... D'ailleurs c'est bête, mais ça je peux le mettre là. Et là comme ça c'est mieux. Voilà, là c'est correct. Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Vous voyez cette boxon, je démarre complètement à l'arrache, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On voit que c'est l'été, que c'est les vacances. Pourquoi j'entends rien? C'est moi ou... Bah, c'est moi où il n'y a pas la musique. Oh là là, j'ai tout qui est déglingué. J'ai mis sur... Non, c'est bizarre. Yo, mon cher fan. Je sais pas si on m'entend. Si, il y a la musique, ok, merci. Ah, je l'entends même pas moi-même, c'est dommage, j'aimerais bien entendre la musique. Bref, tu sais, c'est une après-midi tranquille. Message de FunFan 1992, la musique est trop forte. La musique est trop forte, ok. Pourquoi j'entends pas tes alertes? Attends, il y a un truc que je piche pas, là. Ah, j'ai peut-être le... Attends, voir. J'ai peut-être le téléviseur qui en fait fait mon son qui s'est mal initialisé tout à l'heure quand j'ai allumé. Ça lui arrive, il se fait vieux. J'espère qu'il va pas me lâcher. Hop, attends, je redémarre. Ceci pour expliquer cela. Du tout. Merde! Bah! Attendez voir, excusez-moi que ce soit le boxon. Restart, vas-y voir. Ah! Ah, merci! Là au moins j'entends. Effectivement, je veux bien croire que la musique soit trop forte. Je peux pas mettre un intermédiaire? Non, 3. 3, ça m'a l'air correct. Et encore, je crois que je peux influencer à mort le Winamp, non? Avec mon mélangeur de volume. Je peux dire que je le mets à 25. Voilà. Et là, je peux gérer plus finement le... Voilà. Ça, c'est gérer plus finement. Ça doit être mieux, mon cher FunFan. Bon, ben, on va faire mumuse avec tout ça. Comment ça va, FunFan? Pas trop chaud? Je crevais de chaud encore, là, il y a quelques minutes. Et avant de prendre mon antenne, j'ai pris une douche. Parce que... J'étais en mode, je suis mouru. Ouais, c'est mieux. Bon, c'est cool. Bon, j'attends que la nuit pouic. C'est ultra fluide. J'ai bridé à 60 images secondes. Avec ma nouvelle carte graphique, mon Minecraft est ultra fluide. Ça me choque. C'est génial. C'est enivrant, mais ça me choque. C'est le jeu est devenu ultra nerveux. Ah, tu commences seulement à aller mieux. Ah, merde. Ouais, donc tu t'es bien esquinté, en fait, avec ton histoire de ventilo, puis... Faut que tu récupères sur plusieurs jours. Dur. Mais la chaleur aide pas. Hein. Ah. La chaleur aide pas. Aïe aïe aïe.
C'est bien que t'aimes mieux. Bah alors cette nuit on s'aveugle en regardant le soleil. Le truc à jamais faire en vrai. Je rigole, mais le truc à jamais faire en vrai. De ne pas regarder le soleil avec des jumelles ou je sais pas quoi. Oh, bonjour Olive qui tue, merci pour ton abonnement. Merde. Coucou les gens, comment ça va? Ça va très bien, j'espère que tu vas bien. J'ai oublié de reprogrammer mes alertes sur le plan... sur le plan de la... du jeu. J'ai complètement envie de les implémenter. J'ai rajoute à la va-vite là. Ouais, c'est bien comme ça. Voilà. Fichtre, merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant régulièrement, mais un gros merci à toi. Oui, merci et bisous. Merci et bisous. Merci et bisous. Merci et bisous. Ah, t'as pas retrouvé ta voix naturelle, fan. Oui, tu repasses quand tu veux. Merci tout plein, Olive qui tue. Tu vois, j'ai une minute de décalage entre l'événement et le moment qu'il est annoncé. Je rappelle que j'avais fait ça par rapport à mes jeux de pilotage de Vroom Vroom, que je me laisse pas surprendre. Et de concentrer de facto. Je sens qu'il va me faire suer avec l'aide en continu, là, avec le Craft Wooden Plank en haut à droite. Il croit que je suis dans une nouvelle partie, mais non, c'est juste que mon installateur a changé. Mon ordi fait peau neuve. Enfin bref. C'est bien, j'ai eu le temps de la replacer. Juste, tu vois, tu m'y as fait penser, Olive. J'avais oublié de rajouter ça en construisant ma scène tout à l'heure. Enfin, reconstruisant la scène. Alors, Olive qui dit « Sorry, ça fait un moment que je suis pas passé, mais je me suis coupé presque complètement de Twitch pendant une semaine. » C'est que tu en avais besoin. Il y a des moments où ça fait du bien comme ça. Oui, non, mais je te comprends, Olive. L'essentiel, c'est que tu te sois reconstruite, ressourcée. C'est bien. C'est cool. Et merci encore de ton réabonnement, c'est adorable. Merci tout plein. D'ailleurs, en parlant de ça, ça a été la folie là, avec un train de la hype il n'y a pas longtemps. J'ai 4 nouveaux emplacements d'émoticônes, 2 animés, 2 fixes. Je sais pas encore ce que je vais mettre dans les fixes, c'est ça ce qui peut paraître étonnant, mais dans les animés j'ai les 2 idées. J'ai déjà mon compteur de Vroom Vroom que j'avais commencé à faire, qu'il faut que je peaufine et devrait arriver dans le courant du mois. Et le deuxième émoticône animé que j'aimerais faire, c'est moi qui éclate de rire, souvenez-vous, dans le coup du jeu GIGN. Voilà, faut que je reprenne mes habitudes, je sais plus jouer. Où je ferai un truc MDR mort de rire, quoi, à la française. Wouh, faut que je me reprenne mes repères, ça fait presque un mois que j'ai pu jouer, là. Ça fait 3 semaines, je sais plus du tout. Fortune 3, c'est pour les minerais précieux, ok. Ok, je vais me contenter de ça. Oui, ouais, je peux cumuler le machin là. Allez, on va faire le but du jeu, miner un peu. Bah là, je vais essayer de privilégier les ressources précieuses. Il y a un nouveau joueur qui a débarqué il n'y a pas 48 heures, c'est Nashevman. Il a joué un peu hier, donc on ira peut-être voir tout à l'heure ce qu'il a fait. Il a commencé à se construire une baraque, m'a-t-il dit. Wouh. Ouais, je rallume mon cerveau dans le sens que je me dis... je rafraîchis ma mémoire en disant quoi et où. Comment est la carte. En sous-sol encore ça va, c'est pas encore les grands dédales que j'ai pu connaître par le passé. Quand je jouais avec la famille sur plusieurs années. Mais saison après saison, cette carte-là va devenir dantesque, je pense. Surtout que je suis vraiment surpris que vous veniez vous inscrire sur le serveur, quoi. Que vous veniez tenter votre chance, enfin tenter votre chance, oui, il y a un peu de ça, mais que vous participiez de manière générale. Voilà, regardez-moi ce rift, on est sous l'océan.
Zulézéa, Zulézéa. Et voilà. Ah mon dieu. Je suis un abruti alors que j'aurais pu prendre un chariot pour me barrer. D'ailleurs, je vais le faire parce que... J'hésite. Non, il y a une intersection avec le pilier. Parce que si je veux vraiment récolter des ressources, l'idée de tracer complètement est pas forcément la bonne idée. Allez, je commence déjà à être dans un état de contradiction de oui, non, non, oui. Et vous savez que ma ville est Nancy. Vous voyez, je suis d'excellente humeur. Mon dieu. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah si vous avez un petit coup de mou, j'espère que ma bonne humeur va vous requinquer. Je sens que je vais débiter pas mal d'âneries en une heure, là. J'ai un joli taux de débit d'âneries. Oh, cette fluidité avec la nouvelle carte graphique, si jouissif. Je dis oui. Bon, n'hésitez pas. Alors, c'est pas une vocale ouverte, hein, mais dans le chat, n'hésitez pas à clavarder si le cœur vous en dit. Je pourrais largement, et c'est tout l'intérêt de Minecraft, de pouvoir me poser pour vous faire la causette. Dans la reconstruction de la chaîne suite à mon crash de disque dur, là que je suis installé le système d'exploitation, etc., etc., etc. Donc je repars de zéro en reconstruisant mes scènes. Alors le pire c'est que je les avais sauvegardées. Mais j'ai très envie de repartir de zéro et d'essayer de faire mieux. Et ce matin j'ai fini, et j'en suis pas peu fier, vous verrez avec Lacra, on verra ça dimanche prochain. J'ai refait la scène du tableau mystère. Et là elle est géniale. Je rappelle discrètement en texte sur l'écran, en fait, sur le plan, comment on fait pour jouer. C'est-à-dire saisir le point d'exclamation TM dans le chat, suivi du nom du jeu qu'on donne en réponse. Si avec ça, il y en a encore qui me demandent comment on fait pour jouer, ah, ce serait pas dramatique. J'expliquerai encore oralement, je peux comprendre qu'on ait la paresse de lire, mais bon. C'est horrible à dire, il y a peut-être même des candidats analphabètes, mais je ne dirai rien d'autre. Oh mon dieu, et je rigole, mais c'est horrible ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir lire et écrire. Ah, je vois Cournou avec les bonnes vieilles habitudes, Olive. Ah, ça c'est sympa, une alos feinte. Que je sais même pas ce que c'est. tu me montrerais la photo du Pokémon que je serais même pas fichu de reconnaître. D'ailleurs, ce sera un coup à mettre au défi ceux qui passent sur ma chaîne et qui tâtent du goujon là. À la pêche, s'ils seraient capables, en toute honnêteté, face à un diaporama de photos des différentes espèces de poissons d'eau douce, s'ils seraient capables de les reconnaître. Et avec les passionnés, à mon avis, les gardes forestiers, mais l'équivalent... Enfin, si, juste ça. C'est de par débordement, enfin, abus de langage, si je puis dire. Garde forestier, c'est assez réducteur, mais agent de la nature. Normalement, ils doivent connaître en partie leur classique. C'est marrant, je ferais bien ce genre de colle à mon neveu, puisque justement, il est de la formation là. Il est apte à faire de l'animation animaux, nature, végétaux. Alors, tu me dis, Olive, moi non plus, je sais pas ce que c'est. LOL. Ah, là où je suis un peu triste ou nez, bah, c'est de savoir que dans ma liste des poissons d'eau douce, bah, y en a qui ont déjà disparu. Il y a déjà des espèces éteintes. Mais bon, que voulez-vous? Enfin bref, on va pas sombrer dans le négatif, on n'est pas là pour ça, au contraire. Alors, les minerais précieux, ils sont où? Qui passe de sous la pioche à directement dans ma besace. Je veux sortir de ce souterrain riche. Oh, cette musique. C'est du techno-rock.
Ah, ah non, j'ai cru qu'il y avait du charbon, mais non. Pégueux. Ah, il y a pas mal de trucs à choper. C'est pas un couloir officiel, ça. Non, c'est une qualité naturelle. Oh, c'est jouissif, cette fluidité de jeu. J'étais habitué aux 30 images secondes. Alors vous, c'est ce que vous avez au retour. Hein. Je rappelle que je n'aimais qu'en 30 images secondes 720p. Mais, moi, en local, j'ai du 60 images secondes. Et, waouh. Waouh, waouh, waouh. La nouvelle carte graphique qui fait son boulot, mais trop bien, quoi. Aïe, 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 la faute stratégique majeure, j'ai mis les pieds dans la lave. Au secours, maman, je brûle. Ah, je pète le feu, mais pas comme il faut. Ah, ouf. Ah, moins chaud, ah, moins chaud. Ah, quel abruti je fais. Attends, je vais reprendre l'autre pioche, celle qui permet de faire fortune. Oui, je rappelle, je prends la deuxième pioche pour le minerai. Pourquoi? Parce qu'elle fait fortune. Fortune multiplie les gains. Là, j'ai les gains multipliés par 3 potentiellement. Il y a de l'aléatoire quand même. Mais ça vaut le coup de miser. Pour avoir un plus gros pactole que la normale. Attendez, je suis en train de me faire peur là. J'ai vu qu'on m'interpellait dans le chat, bougez pas. Ah, du minerai. Ah, de la ressource. Je suis corrompu par la ressource. Ah, je la veux. Attends, fun fan, oui, tu me dis un truc. Waouh, hey, il est cool le filon. Alors attends, tu disais. Je bois un coup en même temps. Alors, hier, tu avais une demi-heure de retard pour lancer ton stream. Aujourd'hui, une heure. Je vais finir par demander qu'on me paye des heures supplémentaires vides. Oh, l'autre. Bonjour, Nainonette. Alias Frobose. Je précise surtout pour Olive, qui est peut-être pas au courant, que Nainonette n'est autre que Frobose qui a changé de pseudo. J'espère que tu vas bien, Nainonette. Ah là là. Merci du coucou, rapido. Non, le temps de refaire les scènes, puis je prends mon temps, je peaufine. Donc voilà, j'avais déclaré que je démarrais à 14h, et puis finalement c'est 15h. Le temps de reconfigurer les touches en branchant mon mini clavier de main, là, le Nostromo. Pour que je sois 100% confort pour la reprise. Pour la reprise de Minecraft. Les scènes que j'ai pas encore reprogrammées sont celles des clips quand j'ai une grosse pause. Mais à mon avis, celle-là, je la programmerai soit ce soir, soit demain. Ah. Oh merde, la flotte. Ah, j'avais une alerte, pourtant il y avait eu les gouttes. Ah, je me suis pris une rincée. Et dans la série, je me répète, hein, fun fan, tu sais, c'est pas prise de tête, hein, tu passes quand tu veux. Si t'en as marre, tu peux très bien prendre tes clics et tes claques et puis faire ce que tu veux dans ton coin sans te soucier de ce qui se passe. Je suis ravi de t'avoir comme modérateur et comme serial clipper, j'ai envie de dire aussi. Là aussi, tu me loupes pas, mais baba cool. Ça, c'est le motif numéro 1 pour venir sur ma chaîne, je tiens absolument. Que vous soyez motivé à l'idée de faire le plein de bonne humeur. Faut surtout pas vous forcer, ce serait idiot. Wally Wallou. La version officielle de ce que Frobose MC s'est perdu dans la forêt. Oui, c'est vrai que ça coïncide dans le calendrier avec la sortie promenade. D'ailleurs, en parlant de ça, donc vous l'avez encore 15 jours sur mon compte Twitch. Il faudra peut-être en fin de semaine
ou courant de semaine prochaine que j'injecte ça dans mes fichiers bruts, comme je vous l'avais promis, dans YouTube. Sur ma chaîne YouTube. Avec un peu de chance, je suis en train de me dire que je pourrais peut-être vous faire ça demain matin. Par rapport à ce que j'ai au programme. Et puis demain, je sais pas si je diffuse demain. Il y a toi, FunFan, demain soir, qui diffuse. J'ai vu ton agenda tout à l'heure. Mais moi, est-ce que je diffuserai dans l'après-midi demain? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Et honnêtement, j'aurais diffusé. Je pense qu'on ferait un petit point Planet Crafter. Parce que j'avance. J'ai délocalisé ma base. Et j'ai bien fait. Vous saurez pourquoi. Quand j'y rejouerai avec vous. J'ai découvert des lieux étranges. Qu'on va farfouiller dans le détail. Je fais ça en votre compagnie. Pour avoir un effet de surprise. En partie surtout. Un bulletin d'information que j'ai trouvé que j'ai pas encore lu. Je n'ose imaginer ce que je vais trouver dans les infos. Non, Planet Crafter il est excellent. Ouais, il est possible qu'on s'en fasse un peu de main là. Je sais pas, on verra. Donc, à l'avenir, on aura régulièrement les bibis en fin de direct le samedi et le tableau mystère le dimanche. Bientôt dans la quinzaine, j'aimerais bien faire avec vous du Gartic. Soit du Gartic Faune si vous souhaitez dessiner, soit du Gartic Show si vous êtes prêt à deviner mes dessins. Ça commence à me manquer un peu, c'était très drôle. Et à faire aussi. Bah, ouais, Olive, on a toujours le fait que je découvre avec toi le Stardew Valley, tu me diras quand ça te dit. Et avec Nainonet Froboz, il y a le camion aux États-Unis, là, le American Truck Simulator 2, le 2. Et il faut qu'on se le fasse. Voilà, dans la quinzaine aussi, j'aimerais bien qu'on fasse au moins un épisode. Donc on se recontacte en message privé et puis on se cale une date. A plus, Nainonet, bonne journée. Merci d'être passé. Alors, c'est psychédélique. Le coup de creuser la galerie, c'est pas ce qui est plus passionnant. Ça reste ce que je vous diffuse, je suis désolé, mais. Combien de fois j'adore. Enfin, j'adore, ça se conjugue aussi au présent. Pour me vider la tête. En général, en fin de journée, là, quand je rentre du boulot, j'aime bien me. Fin de journée, là, tout oublier et creuser bêtement comme ça. Ça fait 10 ans que je fais du Minecraft et 10 ans que ça me fait l'effet là. Putain, c'est vrai, 10 ans déjà. Oh, Minecraft, j'avais démarré en 2012. Oh les boules. Oh, le temps passe trop vite. 10 ans de Minecraft, oh mon dieu. À l'occasion, je sais plus qui c'est qui m'avait suggéré cette bonne idée. Le fait de, que je vous publie mon CV, mais dans le sens pilote virtuel automobile. Que je vous dise, j'ai fait tel ou tel simulateur avec tel ou tel exploit, est-ce que j'ai fini tel championnat ou pas. Ce serait marrant. J'avais jamais pensé à faire ça, puis éventuellement pour les curieux qui souhaiteraient consulter. Je vous ferai un petit PDF de 3-4 pages max à télécharger sur le Discord. Y a plein de petits trucs comme ça en suspens qui sont à faire en projet. Dans le même genre aussi, j'avais commencé le document sur mon système de capture vidéo des consoles. Et il y avait un deuxième truc aussi, c'est pas perdu, c'est dans les archives, il faut que je les rouvre. Et que je continue à bosser dessus. Ah bonjour Christella. Bah oui ça va bien.
J'espère que ça va bientôt aussi, ma chère Christella. Figure-toi que tout à l'heure, je me suis regardé en fin de matinée ton Radio Jet Set que je connaissais pas du tout sur la Dreamcast. Et c'est vrai que le coup de l'ambiance musicale, en plus du style graphique, c'est une ambiance. Je comprends pourquoi on accroche le jeu et je suis même un peu surpris qu'il ait pas eu plus de renommée. Le nom me disait quelque chose, mais sympa. Oui, tu vas diffuser aujourd'hui, Christella, je crois. On est quoi? Oui, on est lundi. Tu vas prendre ton antenne quasiment à l'heure du goûter, quasiment dans une heure. Ouais, il est compliqué niveau gameplay. Ouais, j'ai bien vu que tu as vite fait dans galérer, puis t'avais expliqué la fin avec la police, tout le bazar, tout le totem sur le terrain, ça devient gérable. Que les dernières missions, tu t'arrachais les cheveux là. Mais pas mal aussi au niveau du design, l'un des personnages principaux, là, le mec justement qui a la radio. C'est stylé, il y a de la recherche. Puis de voir les gangs qui se présentent en dansant dans leur chorégraphie, c'est pas mal du tout. Tu commences à 10h30. Oh vache, ah oui d'accord, tu commences que dans 2h, ok. Tu peux être quasiment certaine que mon relais de chaîne va t'être dédié. Parce qu'il y a FunFan qui prend l'antenne à 21h, mais j'irai pas jusqu'à 21h. Je couperai avant, je vais trop fondre, il fait déjà trop chaud. Et à mon avis, à 19h, je fonçais à la douche, alors. Je t'offrirai très probablement mon relais de chaîne. Ce sera avec grand plaisir. Et puis, comme on a des communautés compatibles, ce sera pas un souci. Alors, attends. Ah oui, je suis quasiment plein. Oui, bah, message plus, de FunFan 1992. Aujourd'hui, je fais pas de stream. Ah, c'est demain. Mais oui, mais je suis bête. Excuse-moi. On est lundi et c'est demain mardi que tu... Mardi soir. Oh là là. J'ai du mal, hein. J'ai du mal. Merci de la piqûre de rappel, FunFan. Brrr. Ouais, on cuit. Hein, toi aussi, Olive. T'es en souffrance dans ta région. Ouais, dur. Merdoum, j'ai un doute. Là où est la plateforme. Heureusement, j'ai étiqueté, j'ai balisé mes corridors parce que j'ai eu un doute. Autant j'ai pris une horloge sur moi, une montre, autant j'ai pas pris de boussole. Et je pourrais m'en faire une assez facilement, mais j'ai pas l'habitude de la boussole dans Minecraft. Il me tue avec l'aide constamment à droite là, enfin c'est pas une aide mais il dit veuillez faire un assemblage de planches de bois, le bouquin sur l'R7 peuvent vous aider. J'ai envie de répondre, je m'en fous, je connais. Je sais pas comment désactiver ce truc. Alors, le jour où les tours d'ordi feront climatiseur, on pourra jouer sans problème. Ouais, sauf en hiver. Ça jettera un froid. Non, c'est sûr que le pépin se pose, quoi. Mais... Alors, même... Je vous avoue que je suis habitué à faire tourner mon ordi H24... presque tout le temps à la mauvaise saison, c'est-à-dire en hiver. Quand on arrive vraiment dans l'automne-hiver, en octobre, je commence parfois à pas l'éteindre de nuit pour lui faire faire des grosses opérations. Et ça fait chauffage, oui, comme dit FunFan. Sans déconner, le mien me fait chauffage.
Donc je rentabilise d'une certaine manière l'électricité. Mais avec la période qu'on traverse, et vous n'êtes pas sans savoir normalement que notre cher président a précisé qu'il va falloir y aller calmos et rationner, entre guillemets, nos ressources, dont l'électricité, dans les mois à venir, je commence à me dire que ça va devenir occasionnel le fait que je le fasse tourner de nuit. Il faudra vraiment que je justifie mon... le fait de le faire tourner de nuit avec plusieurs opérations simultanées. Et ça va être dur, quoi. Enfin bon, bref. Qui vivra, verra. Je suis un abruti instinctif. Oh, puis je marche sur le feu, bien. Nul, le mec. Je suis un abruti parce que je suis instinctivement rentré chez moi, mais pas en me vidant les poches. Je sais plus du tout comment je sais plus ce que j'ai dans les coffres, je sais plus. Ça fait presque un mois que j'ai pas joué, ma mémoire s'est effacée. C'est effrayant. Je dois tout me réattribuer, me réapproprier. Enfin, me réattribuer. Venez sur mon serveur, j'irai vous voler après. J'irai m'accaparer toutes vos ressources. Le mec escroc 2.0. L'horreur. Non, franchement, il faut que je retrouve mes repères. Entrepôt alpha. Je vais fermer parce que s'il y a un ennemi dans le dos, boum. Et ben voilà le coup du bois là, avec l'autre nuche qui me les brise. Il va peut-être changer de dialecte. Voilà. Voilà, fallait que je mette du bois dans mon inventaire. Enfin, mon inventaire, ma zone d'assemblage en main, et j'ai fait sauter le truc. Bon, au moins l'interface redevient dégagée. Oh, cette folie. Oui, merci Christella. Tu vois, je te lis seulement maintenant. Et oui, oui, tu avais parfaitement raison. Merci à toi. Ouais, pour enlever l'aide, faut faire ce qu'il dit et il part. Olive qui dit... J'ai fait des petites courses ce matin au supermarché du coin. Posté mon chèque de paie, etc. Heureusement qu'il était ouvert tôt, j'avoue. Quand je dois sortir, je le fais le plus tôt possible à la fraîche maintenant. Ouais, c'est terrible. Là, j'ai un copain que je dépanne pendant 15 jours, qui est donc parti en vacances. Et il m'a cédé son potager, son verger. Enfin, c'est surtout un potager. Et la première qualité de ce verger, bah, figure-toi, Olive Kitu, que je fais là actuellement, je fais Stardew Valley, mais en vrai. Sachant que pour l'arrosage, c'est pas le robinet qu'on tourne et on tient l'arrosoir, non. Il faut crapailler avec des arrosoirs en main, et l'eau, pour la chercher, c'est dans la nappe phréatique. Donc j'ai une vraie pompe. Je me muscule tous les deux jours, pendant une grosse heure, à pomper l'eau dans le gros réservoir de 100 litres. Et ça entretient. Mais je le fais très tôt, quoi. À 7 heures, je me suis barré comme si je devais aller bosser. Et je fonce au verger de mon copain, quoi. Je l'ai fait ce matin, par exemple. J'y retournerai mercredi matin. Enfin, ça fait partie des joies de l'été de casser le rythme habituel. Alors, tu dis, Olive, ouais, ben, que le gouvernement fasse aussi des économies, hein, Marc, on tape toujours sur les mêmes. Oui, non, mais je comprends ton ras-le-bol, Olive. Alors, justement, pour aller dans ton sens, Olive, il y a eu un sondage réalisé par les instituts, les journalistes, après les annonces, justement, présidentielles, le 14 juillet, je crois, d'ailleurs, et... Le sondage révélait que les Français attendaient que les gros organismes et les entreprises montrent l'exemple avant qu'eux-mêmes fassent, que le citoyen français lui-même fasse des efforts. Donc voilà, il n'y a plus qu'à espérer que les entreprises ouvrent la voie. Ce serait bien. Histoire qu'on n'ait pas une cacophonie et qu'on se retrouve avec des potentielles coupures d'électricité à la sauvage durant l'hiver, ce serait catastrophique. Ouais, ça m'entraîne pour le jeu. Bah, tu me raconteras quand on y jouera, Olive. Quand tu me présenteras le jeu. Mais, parce que pour ceux qui connaissent pas Stardew Valley, le principe, c'est que vous incarnez un jeune, enfin, un personnage qui se voit légué par héritage une ferme qui a été abandonnée. Et c'est à partir du moment où le personnage commence à entretenir la ferme, à la débroussailler, à cultiver des choses dedans, il finit par faire des rencontres dans tout le patelin et il se passe plein de choses d'interactions, ce qui fait toute la poésie du jeu, paraît-il. Et c'est pour ça que je m'amuse à faire le parallèle avec ce que je vis en ce moment et le potager de mon copain. Voilà, là il pleut comme vache qui pisse. Je fais même vœu que ça arrive en vrai, dans la vraie vie.
On va finir par inaugurer des fêtes de la pluie, là, comme les Indiens. On va faire une danse. Ah, quelle époque. J'en ai encore plein, les fouines. Qu'est-ce que je fais? Parce que là, j'ai des ressources dans les tonneaux, je crois. Ouais, je vais déjà mettre en cube les... Je vais compacter la redstone. Ce sera pas mal. Il y a des trucs que je vais faire avec une appréhension certaine. Je suis pas certain du résultat. Je peux pas faire un amas, un conglomérat de ferraille? Ah si. Parce que... Oh la classe, 64. Ah non, faut que je le crame ça. Oui, à l'arrache, je vais mettre ça là, allez hop. Non, les 64, je vais les cuire. Le reste, c'est du... Hein? C'est du chimélé... Voilà. Oh ah bah. J'ai cliqué là où il fallait. Allez hop, je prends la moitié. Ah bah le coup des tuiles, c'était ça dans l'entrepôt alpha. Non. Les ardoises, oui ou non? Ah, elles sont pas cuites. Ah, j'ai laissé le jeu in English. Why not? Oui, c'est parce que j'ai pas cuit de bordel. Et... Vous voyez? J'ai pas cuit le bordel. Et je suis pelle douche. Un petit débris de... Voilà, ça va là. Voilà, très bien. Ah oui, il y a des endroits, j'ai trop de roches. Ah oui, mon armure, elle est dans... Oh, elle est en bon état, mon armure. Ça fait plaisir. Hop là. Allez, on retourne miner un peu. Ah non, attends, je vais provoquer le dodo. On évitera d'avoir les fantômes et d'avoir la pleine énergie. Vite, ma piole. Il va me laisser le temps de vous lire dans le chat. Attends, oups là, puis ça va faire zapper la pluie. Alors, une ferme égale... D'accord. Ah oui, Ou bé, oui c'est ça. With pleasure, le sage. Et n'oubliez pas le... Ah, le poussin Piyou. Alors, je l'avais oublié, celui-là, merde. Ah non, on va pas nous le remettre en tête. Une fun fact qui avait simplifié à l'extrême. Madame Minecraft aussi, on peut faire des fermes. Et c'est vrai que j'en ai pas fait une en soi dans le cliché, la grange avec le foin. J'ai fait certes une écurie pour les chevaux. Mais j'ai pas fait la ferme classique. C'est un projet à faire aussi, le truc tout bête quoi. Avec les petits moutmouts et tout le reste quoi. Toute la basse-cour. Eh ouais. Vous savez quoi? Ça me pique l'envie d'aller voir ce qu'a fait Nashevman. Je sais que Nashevman est arrivé sur le serveur hier et il s'est installé dans ma... On va aller voir le point d'origine d'apparition. On va partir à la recherche de ce qu'a fait Nashevman. Ça me démange. C'est intellectuellement, j'ai envie de me dire comment qu'il s'est démerdé. Je veux voir. Surtout qu'il m'a avoué qu'il avait de l'expérience de jeu sur Minecraft. Il y a joué pas mal d'heures. Donc c'est au moins un initié. J'ai pas assez échangé avec Nashevman pour savoir jusqu'à quel niveau de maîtrise et d'expérience il s'est frotté au jeu. Mais c'est là où je vais confondre avec des constructions d'autres joueurs, dont peut-être toi Christella, parce que ça fait 3 semaines que je me suis pas connecté au serveur, donc. Ah, je vais apprécier, je pense, l'effet surprise. C'est la seule chose que j'ai pas encore vécu sur un serveur Minecraft. Donc je vous cache pas la joie qui est la mienne. Il y a un effet, une forme d'excitation sur le plan intellectuel.
Message, le sage Nash a l'habitude d'être modérateur. Est-ce que dans ton jeu, il peut être le policier local? Ce serait drôle. Ce serait drôle. Message de FunFan 1992. Le sage Nash a l'habitude d'être modérateur. Est-ce que dans ton jeu, il peut être le policier local? On pourrait lui faire la vanne. Tu rigoles, mais on pourrait lui faire la vanne. C'est-à-dire qu'on assemble, on crée un commissariat et puis on affecte Nash à la tâche. C'est rigolo. Ah, ça va peut-être se faire. Bonjour Bob. Oui, c'est pas grave, tu restes pas longtemps. L'essentiel, c'est que t'ailles bien et que t'arrives à parer la chaleur. Merci du coucou, ça fait vachement plaisir. Ah, qu'est-ce qui est arrivé à Olive qui pêche? C'est un morceau de pochette d'album. J'avais oublié cette réplique, Olive, en plus dans le jeu de pêche. Ah bah tu vois, FunFan, t'es à l'honneur. J'avais oublié cette réplique, la vache. Ça doit être une des premières que j'ai dû enregistrer dans le jeu pour les trucs de perte, enfin de mauvaise pioche à la pêche. Oui, je pense que Nash prendra bien la vanne, là. Ah oui. Oui, attends, je veux pas que le chariot reparte dans l'autre sens, parce que... Musique. On veut de l'Atomic 4, c'est du bon son électronique. Oh, c'est beau. J'avais oublié. Oh, ah, que je fasse une bambouserie. Une bambouserie. Oh merde, qui c'est qui a laissé ouvert la petite réserve? Bah. Attends. Faire gaffe, parce que si un ennemi lance dans la petite réserve, ça peut être une très mauvaise surprise. Voilà qui est mieux. Oh, j'espère qu'on m'a pas shippé mon cheval favori. Il est où mon café au lait? Ah, il est là-bas, café au lait. Voilà, leve-là le hara. Enfin, le hara. Le. La zone aux chevaux. Oh, c'est mon café au lait, chérie. Adoré, ça. Touk. Allez-y, où? Attends, j'ai mal vu. Ah oui, j'ai mal vu. J'ai cru que la porte était ouverte. Non, saute bien. Voilà. Alors, où est-ce qu'il s'est installé, Nashevman? Est-ce que je vais découvrir des œuvres de ta part, Christella? Ce serait de ta part, j'ai encore rien vu, je crois. Attends, j'ai un peu le cerveau en ébullition à regarder à droite à gauche en me disant ce qu'il n'y a pas un truc qui a changé. Je me souviens plus. Alors, je viens d'apprendre un truc, nous dit Bob. Evolve, le jeu des anciens de Leaf For Dead, qui avait fermé ses serveurs depuis 3 ans, a réouvert les 10 serveurs jeudi dernier. Ah ouais, je vais pouvoir rebouffer des chasseurs avec mon spectre. Ah bah c'est bien. Si tu peux te faire plaisir, Bob, c'est cool. Oui, le nom me dit vaguement quelque chose, Evolve, mais pas joué non plus. Alors là, c'est le point d'apparition d'origine. Où est-ce que c'est mis à crécher Nash? Ça, c'est la presqu'île dite de la Reinette. What? Il y a eu un incendie ou c'est Nash qui a fait un travail de cochon? Non, c'est pas possible, il y a dû y avoir un incendie. Je n'ai pas eu le temps de faire quelque chose, je me suis juste baladé et plongé du haut du plongeoir. Ah oui, ça, c'est le plongeoir à Naïnonette, ouais. Ouais, le plongeoir à Naïnonette, ouais. C'est chez lui, là. Frobose Naïnonette. Attends. Ah non, je sais! Il y a Nash qui m'avait dit merde, je me suis fait avoir par un creeper. Ok. Ça c'est. On va replanter la forêt là parce que ça le fait pas. Tant pis, je vais laisser le cheval dans le chemin.
Ouais. Non, je vais parquer le cheval. Finalement, je vais revenir avec des pousses d'arbres. Ouh la vache. Effectivement, je conçois que Nash ait eu un problème. Il a eu dans un comité d'accueil, le pauvre. Oh non, je dois en avoir dans mes coffres aussi, mais au pire, je vais dans l'entrepôt en face. Où est-ce que j'ai des graines d'arbres? Enfin, des pousses d'arbres. Parce que des graines, ça fait un peu débile pour des arbres. Bah là, j'en ai un, mais... j'aimerais en avoir plusieurs. Ah! Pas cher, Oudodo. Il a pas bougé. Il peut bouger, d'ailleurs, Oudodo. Bouge, Oudodo. Bon, il aime le lit. Bah, fais dodo sur le lit. Allez, zou. Ah, voilà, des pousses d'arbres. Ouais, peut-être mettre un peu de boulot aussi. Poudre d'os, ouais, pour faire de la de l'engrais et que ça prenne sa taille adulte rapidement. C'est pas ça qui manque, donc je peux. Ouais, voilà, poudre d'os. Ça roule, ma poule. Je dis ça, elle me regarde. Trop drôle. Ah, elle a pondu un œuf. Ça a fait. Oup. Il est où l'œuf? Je l'ai ramassé. Où est-ce que t'as pondu un œuf? Tu plaides coupable, je t'ai entendu pondre un œuf. Il est où ton œuf? Bah. J'ai qu'un œuf dans l'inventaire, il est où le deuxième? Tu l'as mis où ton œuf? Ne réponds pas à cette question. Mais sérieux? Mais je l'ai entendu popper faire un pop. Et normalement, c'est à ce moment-là que l'œuf est généré. Pourquoi je l'ai pas ramassé? J'en avais un premier et où est le deuxième? Bah. Ne me dis pas qu'il y a un bug avec cette nouvelle version. Donc, c'est pas la fin du monde, mais c'est bizarre. Mais bizarre. Je savais que c'était de la dynamite, ce Nash. Tu m'étonnes. Non, la dynamite, c'est le mot maltine. Je vous souhaite une bonne fête nationale à Saul Goodman, si vous le voyez. Ah, c'est la fête nationale de la Suisse. Ah, tu fais bien de me le dire. Effectivement, bah, je transmettrai de ta part, Bob. Au pire, tu sais, je m'engage à lui envoyer un mot en privé en Discord. Ça me fera l'occasion de lui faire un petit coucou. Tu vois, tu me l'apprends. Je savais pas que c'était la fête nationale suisse aujourd'hui. Merci, merci pour l'info. Ah, fun fan, tu vas pas louper. Ah là là. Oh, merde, Roudoudou. Ah mais non, faut pas que tu sortes. Non, reste dans la maison. Je veux pas te perdre, mon Roudoudou. Allez, viens. Ouf, cette téléportation. C'est marrant parce que dans le pelage du jeu de Roudoudou, le coup du potager de mon copain là de ce matin... sans déconner, j'ai croisé un chat qui lui ressemble vachement là au Roudoudou. Les mêmes yeux, le même pelage. C'est rigolo. Concours de circonstances. Alors attends, le chat va rester là. Roudoudou, t'es où? Bon attends, je vais aller dans le plumard. De toute façon, faut que je passe la nuit. Respawn point 7. Allez, le chat, t'es où? Qu'est-ce que tu me fais? On t'entend miauler, mais on ne voit pas. Ah, t'es sur la table de tissage, canaillou. Ah, le canaillou. Avec tout ce bois, ça fait ton sur ton avec la robe du chat. Pardon. Oh. Fun fan. C'est la fête des riches. Oh, mon Dieu. Oui, c'est vrai que dans le même sens, il y a une vanne... qui dit qu'à Monaco et en Suisse, il y a pas mal de SDF, mais pas ceux qu'on connaît, les sans difficultés financières. Dur. La violence. Allez, où je replante des arbres. Je referai la barrière après. Alors, attendez. Ah, ça me fait bizarre, la fluidité du jeu, punaise.
Ah, je me laisse complètement bluffer et dépassé par la nouvelle carte graphique. Waouh. Le 60 images secondes qui me dépote là. Ça, c'est enivrant, c'est ça en fait. Il y a quelque chose d'enivrant. Merdoum. Alors attends, parce que j'arrive pas à atteindre le truc. Ça je déteste dans Minecraft, c'est les trucs en lévitation. Ça me bouffe. Encore si ce serait justifié, un genre monde médiéval magique qu'on voudrait suggérer, je dis pas. Bon, lui on peut le laisser, voilà, ça fait une souche morte. Un tronc mort, ça fait cohérent. Mais quand la génération de cartes bug et fait des trucs en lévitation, ça me tue. Voilà, je replante à peu près. Là, je vais refaire pareil, idem pour le... pour le boulot. Bon, on va attendre que ça se régénère. Tiens, je vais bouffer les fruits sauvages. Ouais, j'ai planté l'autre. Que dire, que faire? Vous lire de... Merci pour les clips, FunFan. Je pense que depuis ma reprise, je dois avoir suffisamment de clips pour une compilation. Je vais sûrement m'attarder dessus la semaine prochaine, pas cette semaine. Mais la semaine prochaine, à mon avis, je vais passer un peu de mon temps libre en montage vidéo. Il est probable que la nouvelle compile tombe dans la deuxième quinzaine du mois d'août. Vraiment, on peut même pas tirer de feu d'artifice cette année à cause de la sécheresse. Ouais. Attendez, j'ai des établis sur les côtés, là j'avais fait un truc discret, voilà. Je vais peut-être me refaire des barrières. Oui, merdoum. Attendez. Voilà, je vais faire des barrières, hop, voilà. Ah, j'avais dit que j'utiliserais l'engrais pour les faire pousser les arbres. Autant dépenser le... Ouais. Non, si je saute de là, je vais me faire bobo. Ah là, ça va, il y a un arbre. Hop là. Allez, engrais. Engrais. Et boum. Oh là là. Oh, il est beau celui-là. Mince. Allez, zou. De l'engrais. Hop là, voilà, hop, poudre d'os. Ah bah moi j'en ai un magnifique instantanément qui a poussé. Ah, oh, je suis content. Oula, il s'excite le mouton. Calmos ou je te tonds? T'as du bol que j'ai pas de tondus sur moi. Je pourrais m'en faire une. Bol. Une poule, un poussin. On ne saura pas, j'ai lancé tellement loin. Oh, une vache là-bas. On peut le dire, oh la vache. Y'a pas d'autres vaches? Non, ah, pas d'autres vaches. Mon inventaire. Ouais, j'ai plein de petits trucs. C'est la mi-journée. Qu'est-ce que je fais? Donc, petite déception. Je crois deviner que Nash n'a pas le temps de... Et encore si, j'avais vu sur le message du serveur de jeu qu'il avait franchi des paliers technologiques. Il a fait des manips, mais où? Est-ce qu'il s'est servi du refuge? Je lui ai expliqué le refuge avec les drapeaux blancs, il peut y aller à volonté. Est-ce qu'il a essayé de se faire une baraque? On va quand même mater les alentours. Où est allé crêcher notre cher Nashadman? Voilà, ça c'est. J'ai un projet en tête avec ce bâtiment là, je sais pas quand est-ce que je vais la reprendre. Ah, une poupoule. Mais là elle est adulte, donc c'est pas. Ça correspond pas à l'œuf que j'ai balancé tout à l'heure. Est-ce qu'on l'aurait vu plus petite sous forme de poussin? Ah bah tiens,
Parlant d'œufs. Allez, encore une autre poule. Mais on ne le saura pas. Oh, se lancer. Ouais, c'est bien d'avoir posé les piliers. Il faudrait que je fasse le dessus maintenant. Ça fera un superbe viaduc. Il y a des jeunes qui ont réussi à foutre le feu hier soir sur l'autoroute de Sion en tirant des feux d'artifice. Bande d'herbes de voix, ils ont réussi à y foutre le feu. Ah d'accord, la, qu'on appelle ça, le terre-plein central. Ok. Bon, je vais faire mes mises à jour et m'occuper du nettoyage du PC, ventilateur d'endroit, ah oui, pas de thermique à refaire, etc. En espérant me rien casser et vous revoir bientôt à toutes dans le doute. Merci de ton passage, Bob. Bon courage pour ton dépoussiérage d'ordi. Ouais, c'est vrai que c'est du boulot. Eh oui, et puis c'est important. Effectivement, pour entretenir et dépoussiérer son ordi au moins une fois tous les ans. Mais même ce coup-là, en ce qui me concerne, la pâte thermique, j'en ai pas remis. Parce que la pâte thermique, j'en avais remis il y a moins de 3 ans une bonne couche. Par contre, à mon avis, l'été, l'année prochaine, je serais tenté de me mettre une couche de, effectivement, de pâte thermique. Alors, qu'est-ce que je fais dans Minecraft du coup? Je vais peut-être laisser les barrières ici. Ça va servir forcément. Ah, j'ai pas mal de bois ici. Ah, c'est pas la pauvreté. Hein. Ah bah tiens, moi qui cherchais des pousses d'arbres. J'en avais pas mal. Ouais, merci, à plus Bob. Les captures d'écran, oui, c'est vrai. Oh là là. J'avais mis un serveur FTP en place. Ouais. Je... Faudrait que je revoie moi-même. Je sais même plus comment j'ai géré mon dépôt de photos capture d'écran. Enfin bon. Ah oui, par rapport à la promenade faite avec l'ami Frobose Nainonette là, qui a duré 8-9 heures et que vous avez 4h30 de vidéo pour le condenser. Ça y est, j'ai ouvert ce matin ma rubrique dans mon Discord. Vous avez une première photo symbolique de la promenade. Il faut que j'extraie les photos que j'ai faites de mon téléphone. Je voulais faire ça ce matin, mais c'est abruti. J'ai un problème dans l'interface. Il s'est braqué et il ne me propose plus de décharger les données lorsque je branche l'USB. C'est un truc qui arrive parfois qui est chiant. Mais sur le mien, c'est un bug. Et il faut que j'extraie la carte Secure Digital, là, la SD. Bref, là aussi, c'est une question d'heures dans la semaine. Je vous injecterai les quelques photos que j'ai faites de la promenade. En plus des vidéos. Et tout ça pour dire que la rubrique dédiée est apparue ce matin sur le Discord. Voili, voilou. Ouais, il va faire nuit, donc autant que je cultive le champ là. Et je profiterai du lit local. Voilà, là je fais du Stardew Valley en 3D. Ah non, il va falloir que je prenne une houe, il y a de la terre qui a... Oh merdoum. Ah, il y a des zones qui ont été piétinées là. Je vais avoir l'inventaire qui va exploser en betterave rouge. Merde! Oh, les enquiquineurs! Oh non, les arbalétriers qui pointent leur tronche. Oh non, c'est scandaleux. Oh, je les avais oubliés, ceux-là. Bouh. Oh non, qu'ils me suivent pas, là. Ah oui, effectivement, là, c'est la richesse en... Euh...
j'avais dit qu'il me fallait une houe. Non, j'ai pas de houe ici, ça m'étonne. Ah si, là, là. Donc je vais faire passer la nuit. Rest point, point 7. Voilà, mise à jour du point d'apparition. Ah, si je faisais un peu de pommes de terre. Si je faisais un peu des pommes de terre. Faut changer un peu. Oui, alors. Ouais, non, c'est les graines qu'il faudra que je reprenne. Je sens que l'arbalétrier va me les briser. Là, d'avoir entendu son gémissement alors que je... En plus, c'est le chef de... C'est le porte-drapeau, c'est le pire. C'est ça, j'ai mis. Allez, il proteste. Aïe! Ça y est, il commence à m'allumer. Ah! C'est la guerre! C'est la guerre! Salopard! Fallait pas m'attaquer, j'ai rien demandé. Fichez-moi la paix. Je vais me chercher un truc à manger, je... Oui, bien sûr, Olive. Fais donc. Je suis obligé de me coltiner les arbalétriers parce qu'ils vont pas me laisser peinard dans le champ. Ah, allez, tirez-vous du bout dessus, bande de linge. Allez, on va mourir. Oh là là, ils sont nombreux. Bon, ça, c'est un aval. C'est ça, tirez-vous dessus. Attends, je mange un coup. La moonlight. Salopard. Hop, ah, j'ai gagné une arbalète. Enchantée, qui plus est, elle a des propriétés. Oh, cette fluidité, j'arrive pas à m'y faire. Waouh. Le jeu est devenu beaucoup plus nerveux. Oui, j'ai gagné une bannière, youpi. Ah, comment ils le disent en anglais? Ah, bad omen. Ah tiens, ça va faire une présentation d'escalier assez stylée. Voilà, la bannière. J'en ai pas une deuxième dans le coin. C'est pas la première fois que j'en trucide, là, des... L'état de mon casque. Oh là là, les flèches qui sont partout. Si j'ai une deuxième bannière, je mets l'autre en symétrie en haut de l'escalier, ça fait trop stylé. Non, sérieux, j'ai pas une bannière qui traîne dans le coin? Ah ouais. Bon, bah tant pis, pour la prochaine. Allez, on continue à gérer le champ, et puis je me barre ailleurs. Voilà. Là, je vais pouvoir hop, replanter les graines. Ah. Faut pas que j'oublie, j'ai lancé un lave-vaisselle moi avant de démarrer le jeu. Il faudra que j'aille éteindre mon lave-vaisselle. Je vais juste m'absenter une minute à peine.
Mais je sens que si le thermomètre monte trop là cette semaine, je vais ruser avec ma machine à laver le linge. Et je vais balancer mes chemises avec le programme délicat là, qui se fait en une heure. Et j'enfilerai directement la chemise sortie du tambour. Et là, la sensation de fraîcheur, c'est ski. C'est je fonds en direct. J'avais déjà fait ça précédemment et c'est bête, mais ça m'a aidé à tenir la précédente vague de chaleur. Et ça me fait effet pendant au moins 2 heures, voire 3. Ça me sauve, quoi. Faut vraiment message que je garde... de Funfan 1992. Attention avec la salade qui viennent pas les rats ou les escargots mutants de Dragon Skype qui te le pique ou Josh qui croit que c'est des chou-jeux. Ça pourrait être le cas. C'est pas encore programmé, mais pour avoir ce genre d'interaction. Il y a déjà l'interaction, tu sais, avec les lapins et les carottes. Si tu laisses un lapinou se promener dans ton champ de carottes, bah t'as des carottes qui sautent, hein, qui disparaissent. Il te les croque, le salopard. Alors que t'as pas eu le temps de les déterrer. C'est bien, c'est logique, c'est naturel. D'ailleurs, on avait vu un de lapin, à mon avis, il est tombé dans la fosse, là. Non, il est pas tombé dans les dunes. Bon, le lapin s'est barré. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh bah tiens, le lapinou, il est là. Ouais, il joue à cache-cache. T'as vu le lapinou? Ah, je lui ai fait peur. Où est-ce qu'il se barre? On l'a vu. Bon, il gambade le long de la rive. Oh, ce poulpe. Monstrueux. Bon, bref, c'est quoi cette horreur en lévitation? Attendez, j'ai vu un truc en lévitation. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là. Qui c'est qui a fait ça? Là, il y a un patelin. Ah! Qui c'est qui joue là? Ah! Ah! C'est pas de moi! Mais quelle idée de faire une plateforme en lévitation! Ce serait Nash! Alors, on va visiter sans évidemment faire son vilain et shipper des trucs, mais... Attendez, je remettrai la brique en place après, mais... Ce serait Nash qui aurait fait ça? Ou c'est moi? Putain, je me souviens plus. Je me souviens plus. Je sais plus si c'est moi ou si c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est trop ciblé. Non, c'est trop structuré. C'est un vieux truc à moi et je m'en souviens pas. Mais par contre, la plateforme en lévitation, c'est pas normal. C'est pas moi. Puisque je viens de vous affirmer que je déteste les trucs qui sont en lévitation. Donc, c'est... Ah ouais? C'est chez Monsieur Poupou? Ah, tu me l'apprends. Ah, j'avais pas vu. Malin. Oh la vache. Déjà la petite table de bien. On fait son espion, il y a quoi dedans? Oh. Waouh. Ouais, bravo. Et armure de cheval en diamant. Waouh, il y en a qui jouent bien. Alors là, vous m'impressionnez. Bon, je vais pudiquement remettre la pièce en place, celle que j'ai déplacée. Waouh, quelle surprise! C'était comment? C'était comme ça. Voilà. Eh bien. Alors, c'est Monsieur Poupon. Ok. Dakodak. Ah non, mais la plateforme en lévitation, ça reste un mystère. Mystère complet. Ou alors,
Il y a l'un des joueurs qui maîtrise une technologie, une technique Minecraft que je ne connais pas. Alors là, je vous l'avoue humblement, il y a un truc qui me dépasse. Heureux, Olive. Nash, il va monter sur la plateforme pour observer tout le monde. Il y a de ça. Il y a l'idée de vigie, ouais. T'as raison. Ah, une brame commune. Yeah. Alors merde, c'est la nuit. Je retourne dans le plumard histoire de pas faire de mauvaises rencontres en nocturne. Ah, l'inventaire. Je vais laisser les betteraves ici. Ouais, non, j'ai assez de mes pommes de terre. Elles sont bien, les pommes de terre cuites. Je vais laisser là où... C'est quoi le projectile? Ah, perce. Ok. Oh, je vais la laisser ici, là, l'arbalète. C'est rare quand je prends une arme d'attaque à distance. Éventuellement, je prends l'arc, mais l'arc complètement pété. C'est-à-dire que j'ai flèche infinie, effet flamme et multiplication des flèches. Autant dire que c'est l'arme la plus puissante. Faire cuire des trucs dedans, moi. Bah, on fait cuire de la pierre. C'est mieux que rien. Allez, zo. Ça fera le chauffage de nuit. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre que le soleil se couche. Voilà. Je sais plus où était l'est, l'ouest. Ah, non, il se lève que je suis bête. Mais non, il se lève, je me suis couché. Oh. Ah, soupir, je suis à côté de la plaque. C'est le bon emplacement pour le commissariat en hauteur. Bah, ce sera en amont de du village, parce que je vous ai brièvement montré qu'il y avait un village... qui avait été généré de manière aléatoire. La police volante. Question. Je vais continuer un petit tour d'inspection de la zone civilisée là. Histoire que je me réapproprie à peu près tous les lieux. Quoi? Je viens de faire petite promenade, très jolie maison. Ah, tu vois, je l'avais même pas lu, Christella. Ah, oui, bah merci pour la très jolie maison. Que j'ai bâtie avec mon cousin. Ouais, ouais. J'avais pris soin de construire et en fait, mon cousin m'a apporté les matières premières. Et moi, j'ai transformé et bâti la maison. Je suis à l'aise dans la fonction d'architecte dans Minecraft. Et du coup, en général, je me charge de la plupart des structures. Ouais, bah tu vois, je viens de le voir seulement, donc... merci tout plein. Il y a le phare que j'ai pas fini de faire. Le phare, faut que je le termine. On voit qu'il n'y a pas de barrière de sécurité, là, surtout qu'au climaçon. Il manque des vitres en haut. Mais on le voit, là. L'anglais est imparfait. Allez-y-vous. Mince, mauvaise direction. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il s'est cabré, il est pas content. Apparemment, il est pas content de quitter l'enclos avec ses congénères.
Non, non, un phare à l'ancienne, un phare à l'ancienne. Pitié, pas d'antenne 4G. Oh, c'est un marchand. Je me disais, mais c'est qui que je vois? Oh, le marchand. Ah bah non, me fout pas les lamas au milieu de la voie. Eh oh, y a un bouchon là, attendez. Excusez-moi, monsieur le marchand, bonjour. Oh! Oh! Oh la vache, les pouces de... Ah, de la glowstone pour deux émeraudes, ça peut être pas mal. Eh ben... Manque de bol, j'ai pas d'émeraudes sur moi. Eh, café au lait, te barre pas. Eh, c'est vrai, je suis pas allé sur le quai. C'est une petite terre de repos, mais oui. C'est ça que je construisais la dernière fois. Je faisais un quai, puis là, je voulais faire une maison de pêche. C'est là où j'en étais dans ma précédente partie. Là, c'est autant de petits portiques pour jeter sa canne à pêche sur la plage. Eh ouais, je faisais ça. J'avais zappé. Le petit chambellan en cascade, trop bien. La carrière. La carrière, à mon avis, je vais pas mal me défouler en antenne dans les prochains jours. C'est un petit centre de tri, là on voit que le rail passe en dessous. Ah, il est pas content, il est fâché, Café au lait. Il s'agace de devoir galoper. Hop, un petit slalom. C'est rigolo. Ah, ma roseraie. Ah, ça, j'en suis fier. Ma roseraie, j'en suis fier. C'est trop la classe. Attention, le saut avec le cheval. Ah, si, ça passe. On va aller à l'autre extrémité, à l'autre côte. Ou le Minitel vu les graphismes du jeu. La nostalgie du Minitel. Si ça pouvait pousser aussi bien chez moi, lol. Ouais. Tu m'étonnes, Olive. Le rêve. Faudrait que je peaufine le chemin là aussi. Alors, Christina nous dit, je vous quitte, je vais me rafraîchir et démarrer l'ordi pour une éventuelle mise à jour. Oui, t'as raison d'anticiper, Christella. Bon fin de direct. Oui, merci tout plein, bah, merci d'être passé, Christella. Bonne prise d'antenne à toi tout à l'heure, dans une heure. Bon rafraîchissement, et puis très honnêtement, je crois pouvoir te dire à tout à l'heure, parce que... Je rendrai l'antenne, je te ferai relais de chaîne et puis je me ferai une joie de te regarder dans tes propres aventures vidéoludiques. En tout cas, à plus, bisous, merci hein, Christella. Pourquoi c'est pas complètement parqué ici? Ah oui, j'attends que l'herbe arrive. Eh oui. C'est pour que l'herbe se prospère et se... Attends, là je vais pouvoir couper, de toute façon l'herbe est là. Eh oui, que l'herbe se répande en surface. Là, je comprenais plus ce que j'avais fait. Ah! Il y a un cousin qui se connecte, elle est bonne.
Il y a un cousin qui se connecte, la bonne blague. Ah! Bon bah voilà, ça fait plus correct. Elle est bonne. La faute de frappe de feu de fan. Elle est bonne. Yop cousin, j'espère que tu vas bien. Merci de ton passage et de ta connexion. Ta connexion, là, je vais arriver sur ton sur le serveur. Sushi un peu ton serveur. Ah oh, la chaleur qui fait des dégâts, je vous le dis moi. Pris en flag, ouais. Ah là là. Traducteur merdique, ouais tu m'étonnes fun fan. Ah là 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 là. Ah. Bref. Je vais récolter les œufs. Je vais aller récolter les œufs. Ouais, le docteur boutique, bah ouais. Ah bah oui, cousin est connecté, du coup je peux pas faire passer la nuit. Tellement drôle. J'avais oublié cette règle Minecraft. Ma foi, je vais aller récolter les œufs. Ah bah ça y est, il est parti dormir. Ouais, mais je suis parti dans le poulailler là. Ouais. Mauvaise réputation du docteur boutique, ouais, Dogbok. Alors attendez, j'ai récolté les œufs, je vais retourner au plumard. Oui, j'ai vu, cousin, j'ai vu. Sauf que moi, je m'en suis extrait depuis, je voulais absolument récolter les œufs. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Attends. C'est bon. Merci. Eh, pas mal les 10 œufs. Pareil, là, je voulais construire une auberge et c'est en cours. Tous ces chantiers ouverts à droite à gauche et que je ne termine presque jamais. Je peux quand même me vanter déjà d'avoir quelques chantiers terminés. Et à terme, je bousillerai tous les icebergs, là, parce que d'avoir une plage de sable fin avec les icebergs, ça me tue. Où es-tu? Bah, proche plateforme. Je sais même plus si je peux répondre en chat. La baie des tortues. Baie tortue. La baie des tortues. Ah! Oh! Le cheval qui monte. Dans la baie des tortues. Qu'est-ce que tu fais, café au lait? T'es fou? On va pas sauter, tu vas te faire mal. Aïe, ouch. Oui, reste là, canaillou de cheval. Bon, d'accord, l'herbe est pas verte, mais crotte. Ça ne saurait tarder. Grrr, il va me faire des bêtises, ce café au lait, je le sens. Je le sens, je le sens. Non, tu fais chuer, café au lait, reste dans l'enclos. Oh, oh. Oh mon dieu. Alors attends, je vais détacher la terre dans l'immédiat. Je la remettrai quand il y aura le cube de... merdoum. Ah non, j'ai mal placé le... Ah. Mais non.
c'est pas dans le bon axe. Comme ça, peut-être. Oui, ah oui. Attention. Voilà. Là, au moins, ça fait cohérent. Ah, soupir. Relax. Ouais, je vais mettre la terre là. Oh là là, cette production, cette surproduction de, ça va à une vitesse. Tous ces œufs. Ouch. Réfléchissons. Je ferais peut-être bien de me générer une pépinière d'arbres pour pour les arbres et continuer la construction en bois. Ce serait tout ce qu'il y a de plus logique. Ouais, mais il me faudrait plus d'arbres, enfin plus de pousses. Oui, voilà. Alors ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. J'en demandais pas tant. D'ailleurs, j'ai remplacé ça par ça parce que... Ouais, je vais prendre une partie du désert là, autour du bâtiment pour repiquer des arbres et... Et avoir une quantité assez importante de bois assez rapidement. Non, je suis bête. J'avais déjà l'information à l'écran, mais j'ai pas eu le bon réflexe. Peut-être me débarrasser des cactus. Ah, excusez-moi. Ah mon dieu. Coucou. Ah, je te vends un cheval. Coucou. Bah, t'es tout beau, cousin.
Voilà, comme ça je vais avoir un max de bois avec toute cette pépinière de fou furieux. Les os. Voilà. Et puis si à un moment je vais repiquer des arbres, là je pourrais. Voilà. Voilà comment on fait la culture du bois. Les cactus, ouais, je vais les repiquer un peu plus loin. Ah, je vais... Ah. Mais... Merde au moins. Bonjour Aerostar, comment ça va? Alors que je suis tranquillou sur le serveur Minecraft avec mon cousin qui vient me faire un petit coucou en se connectant dessus. Que c'est fort sympathique. Donc pour ma part, c'est le bonheur. Bon, il y a juste la chaleur qui commence déjà à taper sur les nerfs à nouveau, mais bon. C'est cette saison. Mais à part ça, tout va bien. J'espère que toi aussi. Ouais, ça va, Roster, c'est cool. Ouais, tranquille. À peu près tout le monde ici dans le chat se porte bien aussi, donc... Cool. Cool, waoulé. Faudrait que je vois la suite de tes aventures dans Mass Effect. Comme tu y as joué ce week-end. Et pour ma part, j'avais d'autres occupations, mais faudra que je regarde. À mon avis, dans la semaine, je me regarderai la suite de tes aventures. Ah oui, t'as rangé ton cheval, cousin. Ok, oui, t'as bien raison. Faudrait presque faire un deuxième lit. J'ai pas fait de lit dans la... Dans la future auberge. Je crois pas. Hein. Non, j'ai pas posé de lit. Ah oui, puis là, c'était un accès... Ouais. Va falloir que je pose éventuellement des lits de fortune le temps de récolter un max de bois et de finir la... La construction de l'auberge. Attends, je vais refaire l'inventaire des coffres. Oui, t'adores le troisième opus, ouais. Ouais, bah ça monte crescendo dans la... C'est... J'allais le dire. Merci, cousin. Ça monte crescendo... ouais, ouais, c'est franchement la trilogie Mass Effect, pour ceux qui connaissent pas. Si vous aimez l'ambiance science-fiction space opéra, là, foncez dessus les yeux fermés. C'est cultissime, c'est à faire. C'est bien, c'est bien. Oula. Je te vois te déplacer en bas, cousin, ça m'a fait flipper de voir ton nom en transparent. Ah, mout-mout. Enfin, mout-mout. Tondeuse. Oui, c'est ballot, il n'y a pas de deuxième nid. Il faudrait que j'aille rapidement, entre guillemets, agresser un mouton. Mout. Non, là, il n'y a que des poules. Je vois un mouton, il est un peu loin, à mon avis, je croisais des ennemis entre-temps, parce que le crépuscule sera bien... Encore, faut espérer que le mouton tondu me donne 3 cubes de laine. Or, c'est aléatoire, il peut en donner 1, 2 ou 3. Et voilà, les ennemis sont déjà là. Aïe, aïe, aïe. Ah non, un bébé zombie, c'est les pires. Non! Non! Non, Saligo, tu mourras pas! Non! Ah, c'est la guerre! C'est la guerre thermonucléaire! Oh. Ça y est, hop, je l'ai eu. Ah, bad guy, bad guy. J'ai vu le creeper d'un... Et puis j'ai vu une... Écrit comme ça, cousin, ça fait coquin. Mais moi, je voulais tondre le mout-mout.
qui a disparu depuis d'ailleurs. Ne me dis pas que le Moutmout est mort dans l'explosion du creeper. Mais j'arrive, cousin, j'arrive. Ah. Attendez, il faudrait que je mange. Oui, je te vois. Alors, attends. Parce qu'il faut que je me restaure aussi sans attirer d'autres ennemis. C'est assez chaud. Voilà. J'arrive. Tac. Bah oui. Ah merci, tu te déconnectes et tu te reconnectes. Ouais, c'est sympa. Mais franchement, il faut que j'aille chercher de la laine à Moutmout là. Que je régénère un autre lit et puis. Attends, de quelle taille mon armure? Ouais, ça va. Parce que je me prends un petit peu dans la tronche et il faut gérer aussi la défense. Et là, va y avoir de la défense. Ah, un zombie momifié. Ceux qui résistent au soleil. Ils sont redoutables, ceux-là. Les moutmouts. À moi, les moutmouts, alors que je me pète la cheville. Non, il y a encore un creeper. Oh, ils sont chiants. Ah, puis... Il y a déjà un autre zombie momifié qui m'a repéré. Oh, ils ont une portée de détection de fou, eux. Je veux tondre les moutmouts. On veut de la literie. Oh, j'ai vu un lapinou. Non, mais non. C'est ça. Oui, planque-toi derrière l'arbre. Va, saligo, va. Va mourir. Voilà. Oui, bonjour le cochon. Non, je ne te donnerai rien. Ah bah voilà. Je voulais 3 cubes de laine, je les ai déjà. Ah, lui aussi. Oh, ils sont généreux les moutmouts ici. C'est parce que l'herbe est bien fraîche. Ah, bah je vais faire 2 plumards. Vlati pas la bonne nouvelle. Ah, oh, ça rappelle le bon vieux temps. Ah ah, je te vois, cousin. Cousin qui s'en va au loin. T'as pis l'autre qui fait son kéké sur l'établi, là, le creeper de mes deux. Oh. C'est saboteur. Oui, si, je peux l'éviter. Oui, il m'a pas vu. Il ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu. Allez, une nouvelle literie. Alors, type planche. Type beaucoup planche. Attendez, j'en ai pas assez pour 2 plumards. Plumard. Premier plumard. Deuxième plumard. Est-ce que j'ai du colorant? Parce que les draps blancs, on en a marre. On veut de la couleur. J'ai envie de dire, on veut de la couleur, mais on n'en aura pas. Ah si! La betterave. Je vais pouvoir faire du colorant rouge. Ah oui, j'écrase la betterave, ça fait colorant rouge et j'obtiens des lits rouges. Yes. Oh, ces poules qui pondent des œufs. Allez vous faire cuire un œuf. La folie. Hop, je vais faire un lit là en attendant. On va faire un autre lit là, allez hop. La récolte des œufs. La récolte des œufs. Ah oui, tu as du... Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, youpi. Merci, cousin. Qui contribue à la tonte des moutmouts. La tonte des moutmouts. Ah mince, il me faut planche de bois. Il faut 3 planches de bois, j'en ai plus assez. Hop, équarrissage. On retire l'écorce. Ouais, mais je t'en prie. Merci à toi. Non,
vraiment établi qu'il me faut. Je suis idiot, moi. J'ai cliqué dans le dans l'air. Peut-être un autre colorant à faire. À part le rouge, on pourrait se faire de la fantaisie, là, un peu de goût des couleurs. Ah, cactus pour le vert, mais il faut que je le cuise. Ah, c'est parti pour la cuisson. Il est où mon four ici? Ah oui, si, je sais, il est sur le côté. Tant pis, je me pète les pattes. Je saute honteusement du... Pourquoi il y a hors de son enclos, café au lait? Non, mais ça va pas, non? Mais retourne dans ton enclos, salopard. Ah, il faut que je rehausse le portique. Faut que je rehausse le portique. Canaillou de cheval qui peuvent se barrer. C'est pas bien. Ça va poser problème. Tiens, j'abats cet arbre. Ça me fera du bois supplémentaire. Si j'ai une pousse, je le replanterai. Sinon, tant pis. Attendez voir. Barrière, barrière, barrière. Voilà. Tac, 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 tac. Et ben, je vais en faire un nombre pair. Alors... corrigeons cette erreur. Voilà. Merdoum, je fais des bêtises. Ah, tout ça parce que je suis pas dans le bon angle. Voilà. Là, ça a de la tronche et c'est cohérent. Voilà, calmos les chevaux. Ah, ils sont bien parqués, c'est cool. Là aussi, par rapport aux dangers qui peuvent revenir des profondeurs, je ferais peut-être bien de mettre une barrière. C'est tout sauf idiot. C'est tout sauf idiot. Tu veux que je t'aide à faire quelque chose? Oh, non, merci. Non, non, merci. C'est gentil. Oh, non, merci. C'est gentil. Action libre. Chacun fait ce qui lui plaît. Alors, voilà, je vais déjà prendre ça. Ah, j'ai des pousses, je vais pouvoir repiquer l'arbre. Youp là. Allez, un plumard vert. Bot. Allez, zou. Non, je vais arrêter de me péter la cheville parce que... c'est... bon, certes, c'est l'abondance maintenant dans la partie. On a de la bouffe un peu partout, mais quand même. C'est pour leur principe, j'essaie d'être un peu moins casse-cou. Parce que l'idée de sauter façon ninja et perdre des points de vie bêtement... Allez, zou, voilà, chacun prend le lit qu'il veut. Ça faisait longtemps que j'avais pas une literie aussi colorée. Alors, je vais aller replanter des arbres, histoire de me générer un max de bois. Ah, mais là, j'en avais une tonne de laine. Oh, je l'ai même pas vu en plus. Le mec qui a du caca dans les yeux. Qu'est-ce qu'il y a, Funfan? Ah, tu t'adresses à Aeroster. Ah! Eh ouais, il y a FunFan qui a fait. Pour ceux qui veulent revoir, qui sont curieux, sur la chaîne à FunFan, il a fêté les 3 ans de sa chaîne. Donc n'hésitez pas à vous précipiter sur la page Twitch de son. Ou de sa page YouTube d'ailleurs. De son canal à l'ami FunFan. Il avait fait un quiz en je sais plus combien de questions qui avait duré 90 minutes environ, 1h30. On s'était bien marré. Sur les plus grands événements et anecdotes concernant sa chaîne. C'était pas mal. Franchement, c'était... les 90 minutes étaient vachement bien sympas. Questions. Eh ben, dis donc. 3 fois 11. Je te reconnais bien, la FunFan. Et je me suis fait avoir sur la... honnêtement, je me suis fait avoir sur
un tiers, voire la moitié des questions. C'était pas évident. Ah, la grande récolte de bois. Ah, j'avais dit que j'éteindrais mon lave-vaisselle. Punaise. Ouais, dès que la nuit arrive, je vais me coucher. Voilà, ça va pas tarder à provoquer la fin de la nuit. Il faut que je me précipite de vie réelle dans mon lave-vaisselle et que je l'éteigne. J'avais déjà dit ça tout à l'heure et j'ai zappé. Ouais, allez. Voilà, il commence. Bon, c'est beau, on voit le côté, le firmament, les étoiles. C'est stylé, j'avais déjà oublié ça dans Minecraft. C'est beau. Il est beau. Oh, je prends le lit en couverture verte. Oui, pardon. Je vais rapidement aller éteindre mon lave-vaisselle, je reviens. Alors, hop, voilà. Vite fait, bien fait. Alors, j'ai le chrono de la malédiction qui a pas démarré. Et je ne résiste pas à l'idée de faire une petite récolte d'œufs de poule. C'est cool. Je suis un peu déçu, je m'attendais à avoir un peu plus de bois. Mais bon. Je repasse tout de suite en mode bûcheron. Ah, je suis un peu en kikiné. Quand les arbres prennent une taille importante, Je m'en veux de les abattre. Quand ils ont une petite taille, j'ai aucun scrupule. Mais là, quand ça devient un bel arbre comme celui-là, je m'abstiens de l'abattre.
Ouch. Allez, où bûcheron. Dans l'heure qui suit, il faudrait que je m'amuse à faire un peu de commerce. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. C'est-à-dire prendre la monnaie du jeu que sont les émeraudes. Et la même monnaie que le docteur Boutique, pourrait dire Fun Fan, pour les amateurs de Sonic. Parce que le docteur Boutique, je rappelle, fait référence suite au correcteur orthographique du téléphone de Fun Fan, au docteur Ivo Robotnik dans la saga Sonic. Bref, tout ça pour en revenir aux villageois de Minecraft et faire du commerce avec eux. Parce que c'est intéressant, depuis les précédentes versions, le commerce et les interactions sociales ont été nettement améliorées. Et ça vaut le coup. Plus on commerce avec un villageois, qui ont chacun des spécialités, hein. Il y a le pêcheur, il y a l'agriculteur, il y a le forgeron. Plus on déverrouille des choix commerciaux. C'est vrai que j'ai pas trop, je me suis pas acharné sur ce pan, cette partie du jeu qui a le mérite d'être. Bonjour Pop and Ripop, bienvenue, j'espère que tout va bien. C'est la gestion commerce, interaction sociale que j'ai pas creusée, alors qu'elle devrait mériter toute mon attention. Je vais essayer de faire pas mal d'échanges là, dans l'heure qui suit. Là je reste un peu en mode bûcheron. Mince, je donne des coups de hache à la mode de terre, moi. Ouais, ça va. Oui, vacances. Là, c'est pour ça que j'aimais en semaine. Voilà comment du pourquoi. T'as tout deviné, Pop and Ripop. Touk. Oh, la poupoule. La poupoule sur le sable. Ah mince. Ah, t'es en télétravail pour Vinripop. Et pas d'agenda chargé. Comme juillet août, c'est plus calme pour moi. Ok. Bah bon courage pour le taf quand même, mais... mais que tu puisses souffler, ouais, être à, entre guillemets, à bas régime. Ça permet de casser le rythme, c'est déjà ça. À défaut de pouvoir se changer complètement les idées. Eh bien... Oh mon dieu, tout ce bois. Touche du bois, c'est pas de tes chances. Ouh, ça commençait à être un grand arbre celui-là. Il avait une première extension de bifurcation de branche, là, si je puis dire. Ouais, il va me falloir des tonnes de bois parce que à terme ma construction là, elle va être majestueuse. Ouais non, c'est un grand arbre maintenant, je vais pas y toucher celui-là, il est magnifique. Il a gagné mon respect. Attendez, pardon, je voulais pas intermittence dans le chat. Tout en continuant les interactions dans le jeu. Je suis développeur en informatique et je fais partie de ceux qui étaient très heureux depuis fort longtemps. Ouais, bah oui, pour toi c'est la routine.
Ah, l'essentiel, c'est que tu trouves ton compte et ton équilibre. C'est vraiment le plus important. Oh là! Si ça sombrit, c'est que c'est un orage qui se prépare. La 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 la. Je suis en train de cogiter, si je dis pas de bêtises, pour mon prochain direct. Je pense que je vais faire demain, en gros, un truc du genre 17-18h jusqu'à 21h. Pour cette fois-ci, demain, offrir mon relais de chaîne à FunFan qui diffusera demain soir. Et je pense que je vais vous faire demain après-midi du Planet Crafter. Je pense que j'aurai suffisamment avancé hors antenne. Et je vous réexpliquerai le moment venu mes manœuvres hors antenne. Des manœuvres enfin, qui valent le coup. Je pense que ça va être ça, mon programme. Je me réserve les matinées pour moi, déjà. Mais demain, à mon avis, je diffuserai en fin d'après-midi. Alors, Planet Crafter, c'est vrai qu'on voit pas le temps passer. Je pense que je vais faire un truc du genre 17h, 21h. Je vous confirmerai ou je vous infirmerai sur mon Discord ou dans la commande agenda sur Wisebot. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, j'ai pas mis à jour la commande Wisebot. J'ai oublié. J'ai fait le Discord, mais j'ai pas annoncé mon Minecraft. Ah bah merci d'avoir joué, cousin. Ouais, je vois que tu te déconnectes. Oh, t'es sûrement rattrapé par tes obligations familiales. Merci tout plein. Bisous, cousin. À plus. Oui, merci d'être passé. Ouais, j'avais deviné. Ouais, 17h. Merci, cousin. Bisous, à plus. Ah, alors Colive a merdé sa pêche. Pas de poisson au bout de la ligne, dommage. Ah, tous ces bâtons. Bon, allez, faut que j'entre au barcail parce que. Les ennemis vont commencer à apparaître et j'ai pas envie de me faire allumer par un comité d'accueil quelconque. Je fais même vœu de pas recroiser des arbalétriers parce qu'ils me gavent. Merde, un archer. Ah! Arf! Oh 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 oh! Oh oh oh! Oui, l'araignée qui va s'attaquer! À l'archer, c'est bien, ça va l'occuper. Je vais pouvoir me précipiter dans le plumard et provoquer le passage de la nuit. Stratégie quand tu nous tiens. Ah, c'est ça, pète le feu. Allez, vas-y, va mourir. Ah bah. Pff, ah. Ah, 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 il va partir en petite fumée et devenir un petit tas. Oh non, le salopard, il a résisté. Il a résisté! Non, il est sous l'arche! Il est sous l'arche à l'abri! Ah, le sagouin! Il a survécu. Bref. Le bois, le bois, le bois, le bois, le bois. Oh, j'en ai pas mal là, du bois. Hmm. Et peut-être continuer à construire. Ouais. Allez-y, un petit peu de construction. Yop la boum. Ouais, ça, ce sera pour la construction. Oh,
Oh, ce bazar dans les coffres. Je ne sais plus. Y'en a chez Pleu, y'a Sweepeldou. Alors. J'ai envie de finir l'auberge d'abord. Ouais, je fais le plancher à ce niveau-là. Ce serait logique, vu la hauteur du truc. Ouais, ça fait 4 cases. Ouais, ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Kikokoa, tu as réussi à voir d'où venait la surcharge liée au stream de Planet Crafter? Oui. Pop and Ripop, c'est une grosse bourde de ma part. C'est-à-dire que j'ai une... Maintenant, j'ai une grosse carte graphique et une petite. Alors, la grosse, entre guillemets, c'est une GTX 1050 que m'a justement, je vous le dis en mille, généreusement offert mon cousin Rioli Saiba. J'avais merdé dans le sens où... Où j'avais donné tout le boulot à la petite carte graphique et rien ou juste le jeu à la grosse, alors qu'il faut gérer le jeu et OBS. Et la petite s'est retrouvée sur les genoux, quoi. Donc j'ai refait mon câblage, j'ai interverti, bref, et là maintenant c'est fluide à mort. J'arrive bien à répartir la charge de travail entre la grosse et la petite carte graphique. C'est de là d'où ça venait le pépin. Bonjour Adjay, j'espère que tu vas bien. Et il y a un problème que je ne peux pas parer dans Planet Crafter qui est propre au développement. C'est dans le cahier des charges. Il faut savoir que le jeu Planet Crafter que je vous ferai demain, demain après-midi, il est en early access, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'il est en phase de développement. Est sorti ce week-end la version 0.5. Et il y a, j'ai la chance d'avoir sur mon chat, qui s'est manifesté sur ma chaîne, un des bêta-testeurs du jeu. Et là, je vais très bien, Edgy, merci. Et le bêta-testeur m'a informé qu'en ce moment, il y a toujours un problème qui n'a pas été corrigé dans le code du jeu, qui est la gestion de l'événementiel. Par exemple, de temps à autre, il peut y avoir une pluie de météorites sur la planète. Et ça fait effondrer le nombre d'images secondes. Je passe de 60 à 20, voire 15 images secondes. Ça dure quelques secondes. C'est malheureux. Et là, c'est imparable. C'est propre au jeu et ça va être optimisé plus tard. Mais ça va, ça le fait pas trop souvent. Mais sinon, c'est devenu fluide. C'est devenu un bonheur, Planet Crafter. Alors que je me plante dans mon schéma de construction... oui, non, là c'est bien, c'est des cubes complets. Je suis au niveau du mur, il faut pas que je mette les dalles, il faut que je mette les cubes complets. Et voilà, voilà quoi. Mais c'est vrai qu'à la base c'était une ânerie de ma part que ça ralentissait à mort. J'avais merdé ma config et mes branchements d'un point de vue graphique. Mais c'est résolu. Voilà. Je veux des pleines planches de bois. Parce que c'est le mur. Oui, je sais pas si je garde le... Non, je vais casser les bûches dans le sens que... Ouais, d'un point de vue architectural. Attendez, je réfléchis. Ouais. Mais pardon, je reviens vers vous dans le chat dans 30 secondes parce que là je suis concentré d'un point de vue architectural. Je réfléchis finalement à faire quelque chose de cohérent. Enfin, plus ou moins cohérent. Oui, voilà. Donc là je peux zapper ça et finalement mettre une bûche.
Là, je vais mettre ça en intermédiaire. Non, j'avais dit que je cassais le par étage. Merdoum. Voilà, et là, je fais comme ça. Et le reste, je peux recouvrir de dalles. Voilà, comme ça, ça fera un haut plafond. Là, ça se tient, mon truc. J'ai le bide qui me travaille un peu. J'ai de l'acide dans le bide, dans le sens que je me suis savouré, ça faisait longtemps. Je me suis fait plaisir ce midi, je me suis savouré des artichauts. Sauf que la vinaigrette, elle était bien acide. J'ai assez mal dosé, j'ai pas mis assez d'huile, donc pas mal de vinaigre dans le bide, et là ça me travaille. C'est pour ça que je peux faire un petit peu la grimace, parce que parfois j'ai des petits pics acides au niveau de l'estomac. Eh, pas mal. Bon, il faudra que je pose les vitres, les fenêtres, mais ça a de la tronche. Alors, que je vous lise dans le chat. Oui, l'hypothèse dont j'avais parlé ouais, la dernière fois par rapport à mes soucis techniques. Ah, t'es dispo, EJ. Oh, excuse-moi, je vais rester sur du... Encore une heure, au moins, sur du... Sur mon Minecraft, là, au moins jusqu'à 18h. Après, je dis pas. Je sais que tu déjeunes à 19h, EJ. Mais hors antenne, ouais, entre nous, je te recontacterai si tu veux sur Discord d'ici une heure, Adjay. Merci à toi de proposer, c'est fort sympathique. Qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Ça me reviendra. Pareil, dans la semaine, je sais pas trop encore quand, mais on en discutera, si tu veux, entre nous en vocal tout à l'heure, Adjay. Ce que je t'avais promis, c'est-à-dire que cette semaine, je te fasse une mini-formation de 1 ou 2 heures au moins sur la compo musicale sur ordi via l'excellent logiciel LMMS que je vous conseille tous, qui est gratos, hein, monde du libre. Pour ceux qui veulent se lancer dans le... Dans la compo musicale, normalement j'ai le... Voilà, j'ai la commande. Pour ceux que ça intéresse. Ou MAO, je crois que j'ai fait. Non, je me suis... J'ai pas mis LMMS ? C'est le nom du logiciel. Alors j'ai mis MAO, je crois. Je sais plus. Attendez, faut que j'éclaire mon clavier histoire de voir les touches. Bah alors, c'est pas les bonnes touches ? Les bonnes commandes? Bah. Ou j'ai Wisebot qui est en PLS. Bizarre. Enfin bref. Je l'ai écrit en dehors du point d'exclamation en préfixe. LMMS pour ceux qui veulent faire de la musique sur ordinateur. Ah, en majuscule peut-être. Oui, c'est bizarre. Ou alors peut-être avec des points. M.A.O. Je sais pas, j'ai peut-être mis les points. Quoique, je sais pas, c'est bizarre. Faudrait que je revoie mes commandes Wisebot. C'est pas comme si j'en avais déjà 200. C'est un bazar organisé, vous avez pas idée. Hop. Pas mal, je progresse dans la création de l'auberge. Oh, stylé. Là, il faudra que je fasse un balcon. Là, c'est obligé, il faut que je fasse un balcon. Ah, le plumard. Ah oui, c'est avec les points. Merci, Adjay.
Ah, faudra que je fasse quand même la variante sans les points. J'ai été trop pointilleux, on peut le dire. C'est ça, bien joué, Edge. Merci tout plein. Ah, la petite auberge sympa en hauteur, avec les choux en dessous, à l'abri. Mon idée de départ est pas trop mauvaise. Alors, le bois, il me reste pas mal du bois, ouais, ça va. Allez, je m'avance un peu dans l'étage de l'auberge, et puis après, je fais ce que je vous avais dit, c'est-à-dire partir dans un village, faire des interactions commerciales. Parce que, ouais, l'heure tourne, il est déjà 17h15, quasiment. Oh ! Tempus fugit, le temps fuit, comme dit la locution latine. Il y aurait une poutre là. Enfin, que je reste cohérent d'un point de vue architectural. Il y en aurait une là. Et l'autre, elle est là, c'est ça? Ah non, elle est là-bas. Attends, sérieux? Ah oui, il y a... Oui, ouais, il y a... Ouais, ouais. Pour séparer les chambres et faire balcon, et ça se tient. Ça se tient, ça se tient. La façade là, pareil. Oh. Bon, bah pareil. Ouais, ça me permet de faire des petits balcons. Tac, tac, tac. Ah oui, comme il y a l'escalier, ouais, ça fait un truc assez fourbe. Le jeu gratos. Ouais, j'ai... Je sais plus si c'est le seul jeu gratos que j'ai enseigné, le Xenotique, ou si j'en ai mis un deuxième. Mais c'est vrai que pour faire la promotion des jeux libres et gratuits, il faut que je complète la liste. Mais il faut que je complète plein de trucs. C'est... Ça, c'est tout moi. Je me lance dans plein de chantiers et je les ferme jamais. Je suis boulimique de plein de trucs. Mais c'est vrai, sans déconner, les jeux gratos, il y en a plein dans le monde du libre. Ils sont, je trouve, malheureusement trop peu connus, mais il y en a vraiment des bons. Comme le Xenotique, donc, qui est un FPS. Mince, décidément. Oh là, le mec bourré qui met pas là où il faut les torches. Oui, oh là là. Voilà, près d'un an que j'ai fait cette commande, cette liste, et je m'en souviens déjà plus les jeux d'action. Ah oui, non, mais c'est un roman, le truc. C'est un roman. J'avais fait la liste de ce que je pouvais vous proposer. Et la liste n'est pas mise à jour, parce que depuis, j'ai cassé la tirelire, dont Planet Crafter. Donc, enfin, bon. monter les vitres, tac tac tac. Ouais. Refaire un escalier et puis. Pareil à venir, il faut que je vous programme le lien entre vous, le chat et le jeu Minecraft. À terme, vous pourrez attribuer des récompenses avec vos points de chaîne. Acheter des éléments que vous allez offrir aux joueurs dans Minecraft. Alors je sais pas, j'espère pouvoir vous permettre de cibler la personne que vous souhaitez récompenser. Normalement ça devrait pouvoir se faire, mais il va falloir que je me forme sur le fonctionnement et le lien entre le jeu et Wisebot. Mais maintenant techniquement c'est possible, le concepteur de Wisebot a mis à jour le programme et permet de le faire. Pas de question que le rapporteur... Oui. Pardon. Alors, si l'escalier est là...
Ah, ça fait couloir, je peux pas vraiment faire de chambre là. Là, ça ferait un petit passage. Ah, c'est pas évident au niveau de l'auberge. Ou alors, non, il faut que je refasse un... Ouais, mais là, ce serait quoi? Ce serait un couloir. Je mets un mini couloir comme ça, là, et hop. On peut réaccéder à un escalier. Ouais, ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Oui, bah tant pis, je vais mettre l'établi là en attendant. Je vais mettre escalier. Je vais tricher, voilà. Au moins 4 de haut. Voilà. Et là, je peux refaire du plancher. Je peux refaire du plancher. Encore que. Ben non, je suis bête. Il faut que je mette encore une... Je sais encore pas comment je ferai mon toit de l'auberge. Alors, à mon avis, je vais faire plutôt un style savoyard, chalet. Je pense que ce sera plus cohérent à faire. Ah mon dieu, on voit ma barque échouer sur la rive. Ça fait son effet. Hop là, les grands cubes de bois. Ouais. Je compléterai depuis l'étage inférieur. Là. Et donc après... On va essayer de faire un peu plus d'interaction sociale et du commerce. Merdoum. Alors que je remplace le... D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Voilà, au moins c'est fait. D'ailleurs, il faut que je gère l'enchantement parce qu'on voit que j'ai le niveau d'expérience 30 en bas de l'écran. Et le niveau 30, c'est le niveau... À partir de ce niveau, vous pouvez avoir les... Les enchantements les plus puissants de niveau 3 ou de type 3 pour les objets. Ce serait bête que je perde mon crédit d'expérience à cause d'une mort quelconque. Il faut faire comme le jeu du maillon faible. Là, il faut que je crie banque pour pérenniser mon gain d'expérience. En disposer dans un objet qui va devenir magique. Merdoum, c'est pas ce que je voulais faire. Oh que c'est vertigineux. Ougoudou goudou. Allez, courage. On a bientôt fini le cadre de cet étage. Bon, je poserai pas les fenêtres aujourd'hui. Je ferai ça un autre jour. Mais histoire d'avoir les poutres des murs de base, ça suffira amplement. Voilà, je vais terminer avec le dit plancher en dalles. D'ailleurs, des dalles, je crois que j'en ai pas assez. Il faudra que je m'en refasse à l'établi. Alors que le crépuscule s'installe dans le jeu, le soleil va commencer à se coucher. Et j'ai vu que c'est passé un truc dans le chat, faut pas que je vous lise. Au plaisir de vous lire. Je connais pas mal de jeux aussi qui pourraient t'intéresser et rentrer dans les catégories avec les commandes. Oui, bah l'occasion est déjà comme tu le sens, soit tu me le déposes carrément en clair pour tout le monde dans mon serveur Discord dans la rubrique dédiée.
ou en privé, enfin fais comme tu le sens. Mais je t'avouerai que j'ai l'amitié une scène qui est adorable et qui m'abreuve en information, et c'est peu de le dire. Heureusement que Discord permet de référencer et d'archiver les conversations, les échanges. Parce que avec une scène, je confesserai qu'en ce moment, je lis une nouvelle sur deux de ce qu'il me donne. Parfois, je manque de temps pour consulter tout ce qui m'apporte. Et c'est vachement intéressant, il est doué une scène pour trouver des infos sur le net. Et voilà quoi. Bon, je fais du travail de cochon. Oh là là, n'importe quoi, je l'ai mis en position inférieure. N'importe nawak. Alors attendez, oui, il commence là l'escalier. Oh là, vite, faut que je mette des torches, il va y avoir des monstres qui vont apparaître sur mon plancher. Mince. Oui, il faut consommer des âmes. Quoi? Pop and Rupop qui dit faut consommer les âmes. Ah oui, l'expérience dans Minecraft, ça y est, je viens de faire le lien avec faut consommer des âmes. Ok. Ah, je ne pigeais plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit, Funfan? Tu risques d'être bête sur les consonnes. Qu'est-ce que tu as oublié, les voyelles? Quoi? Ah, les armes, c'est dans Dark Souls. Oui, oui, bah oui, papa. Tu as... Quoi? Tu peux être bête si tu consommes des ânes. Oh, fun fan! Oh mon dieu! C'est du fun fan! Dans le texte. On l'aura reconnu. On l'aura reconnu parce que nous sommes perdus. Ah là là. Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de faire une certaine symétrie pour l'escalier? Après tout. Bref, c'est pas mal ce que je fais. Pas mal du tout. Ah oui, ok. Effectivement, voilà, comme ça. Oh là, oh là, oh là, oh là, il y a eu un clic de trop, là. Ouh! Eh ben, c'est pas mal du tout. Oh mon dieu, la banquise de nuit. Qu'est-ce que j'entends? J'ai entendu quelque chose. Pas d'ennemis, j'espère? Ouais, ça va. Je peux faire passer la nuit. Oula, oui, t'as fait un mélange de black, votre fan, oui. Ah. On va avoir un problème avec les écorces. Alors, le bois. Mais j'avais déjà dit sur mon antenne, là, je fais le lien avec le peuple corse. Mais j'avais rigolé, un reportage télé, j'avais vu une espèce de cochon élevé en Corse. Et excusez-moi du peu, mais il naît avec la cagoule. Parce que franchement, le cochon, il a la truffe et la tronche noire et le reste du corps rose. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait marrer. Alors, mince, non, la bouffe est là. Ah oui, c'est ma roche que j'ai pas prise. Habituellement, j'ai un peu de roche. Voilà. Ah non, mais authentique. Hein. Je pourrais pas vous donner le nom scientifique de l'espèce de cochon, mais vous tapez sur internet cochon de Corse et vous verrez par vous-même.
Oh oui! Oh non! Merde! Je me suis tellement bien dégagé avec le cheval que je suis tombé dans un... Oh non! Mais non, mais non, mais non. Ah, 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 il y a un truc à faire. J'ai vu un archer et un creeper. C'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que si le creeper meurt par une flèche de l'archer, il va donner un disque. C'est une règle de Minecraft. Sauf qu'il faut que l'archer me charge encore. Parce que si je me coltine le creeper à moi tout seul, ça va pas le faire. Viens, allez, tire. Eh merde. Bon bah tant pis. On pourra pas vérifier la théorie maintenant. Il est mort cramé par le soleil. Oh, je vais aller retrouver mon cheval qui est déjà là-bas. Attends, mais pardon, je vais vous lire après. Attendez. Oula, attention. J'ai le cheval qui se cabre. L'accord, c'est aussi connu pour son saucisson d'âne, justement. Oui, c'est vrai. Le saucisson d'âne corse. Tout est lié, musique de X-Files. Ah là, merde, je suis tombé du chemin. Pff, je lis le chat et je tombe du chemin. Bon, ça va, c'est pas la mort. Tout est lié. Ouais, à la limite, tu le tues toi-même à l'arc. Oui, mais... c'est vraiment une condition Minecraft qui est spéciale. Lorsqu'un creeper meurt de la flèche d'un squelette archer, il génère un disque. Et il y a 12, 13 disques à collectionner dans Minecraft. Les disques de musique, tu peux aussi les trouver au hasard des coffres en guise de récompense trésor. Dans les coffres des donjons, les pièces où sont générés les monstres. Mais ils sont rares en fait, c'est des objets de collection. C'est pour ça d'ailleurs que sur mon antenne, là, une heure avant, quand j'ai découvert l'antre de Monsieur Poupon, enfin l'une de ses antres apparemment, j'étais agréablement surpris de voir qu'il avait déjà récolté un disque. Qui plus est, je crois savoir que c'est un disque que je n'ai pas. Donc éventuellement, à l'occasion, je lui demanderai si je peux lui emprunter, si d'ici là, moi-même, je ne suis pas parvenu à obtenir ce disque. Voilà, voilà. Alors, je vais ranger le cheval, le casé, dans l'enclos des chevaux. Et je sais pas ce que j'ai fait de mes émeraudes. Merde, j'ai sauté du cheval alors que je voulais faire sauter le cheval. N'importe quoi. Voilà le numéro de cirque. Je me suis entremêlé, planté dans les touches. Il faudrait que je mette la main sur des émeraudes. Et puis, il faut que j'enchante aussi. Faut pas que j'oublie mes... Vous voyez les disques? Là, j'en ai deux identiques. Elles sont à collectionner, les disques. Où est-ce que j'ai pu ranger des émeraudes? Pour faire du commerce. Alors là, telle est la question. Là, c'est la question qui va nous tenir en haleine pendant un quart d'heure. Papa, c'est une ressource rare, les émeraudes. Ça court pas les rues. Est-ce que je les aurais rangées chez moi? On va se diriger vers le village le plus proche, là, qui est vers là-bas, au-delà des arbres. Il y a un village que j'ai clôturé, dont j'ai posé la... Comment on appelle ça? J'en perds mon latin. Les fortifications là pour protéger la ville. Et je vais pouvoir faire l'enchantement d'un objet et faire du commerce. Mais le souci c'est que je puisse avoir la monnaie sur moi que sont les émeraudes. Je sais pas ce que j'ai fait des émeraudes. On va d'abord faire l'enchantement. J'ai. Ah merde, le raid. Ah, c'est vrai.
Eh oui, j'avais la malédiction de l'assaut. C'est pas grave, je sortirai plus du village. On va être pris d'assaut. Voilà, il sonne la cloche pour donner l'alarme. C'est pas l'heure de la messe. C'est... Ah, je vais faire un enchantement. Ouais, le village va être pris d'assaut. Mais mes bonnes murailles vont tenir. Alors, enchantement, il faut du lapis-lazuli pour pouvoir faire un enchantement dans Minecraft. C'est la règle. Voilà, je vais en prendre 3 parce que je veux faire un enchantement de niveau 3. Par contre, qu'est-ce que je vais enchanter? Je sais pas. J'ai déjà la chance d'avoir un équipement tout enchanté, donc il faut d'abord que j'aille forger un truc. Ce qui va me permettre de faire la fouille dans mes coffres et de voir où est-ce que j'ai les dites émeraudes. Évidemment, tout le monde est planqué chez soi. L'autre avec son bandeau là, ça fait pirate. Ah, c'est un. Oh! Ah bah tiens, parlant d'émeraude, je lui donne 15 charbons, il me donne une émeraude. Ça peut être intéressant. Un peu cher, mais. Ça peut être intéressant. Ah, Artemis. Je vous présente un de mes chats, Artemis. Qui c'est qui me pousse? Ah, c'est un villageois qui est venu se réfugier chez moi. Ah bah, les blabes, les émeraudes. Cool, j'en ai 24, on va pouvoir commercer. Un objet à enchanter. Voilà, j'ai des diamants, je sais pas ce que je vais faire. Une énième pioche pour ne pas changer. Ouais, les chats, oui, effectivement, ouais, oui. Les petits matous. Les petits Artemis, qui mériterait très bien que je lui donne un poisson. Je sais même pas si j'ai de la bouffe ici. Ah, après le commerce avec les villageois, je ferais peut-être de la pêche. Mais le pauvre Artemis, il est pas prêt d'avoir son poisson. Oui, là j'ai un intrus, c'est un Slenderman. Ils sont pénibles. Allez, go, table d'enchantement qui va devenir une belle bibliothèque à terme. Les émeraudes oïdes, ouais. J'y avais pas pensé à celle-là, Olive, bien vu. Ah, tu t'es surpassé, Fun. Ah, maille. Ah, efficacité 4, fortune 2, ouais, sympa, sans plus. C'est pas le top du top, mais je vais pas me plaindre non plus. Toujours bon à garder en réserve. Alors, le commerce avec les villageois. Non, faut que je les garde dans ma barre d'action, les émeraudes. Je toque chez les gens ou à travers la fenêtre. Ah bah non, c'est trop haut. Oh, oh, oh. Ding dong, bonjour monsieur. Vous êtes paysan, vous, ça se voit à votre chapeau. Ah, alors, oui, pommes de terre et carottes, ils donnent des émeraudes. Pourquoi pas? Bon, j'ai pas une récolte d'enfer, mais ça peut être un... Ah, maison abandonnée. Le villageois serait-il mort? Ce serait malheureux. Ding dong, il y a quelqu'un. Ah non, c'est le minaret, là, c'est la tour principale. J'ai fait une longue phrase un peu plus haut, je crois que tu l'as pas vue. Oui, console voyelle, oui. Oui, quand tu dis... tu as dit il faut consommer des âmes. Moi, je voulais dire, n'oublie pas les voyelles comme console voyelle. Oui, si c'est celle-là. Je ne sais plus, Fun. Excuse-moi. Oh, la porte est défoncée. Mais c'est le forgeron. Enfin, je crois. Oh là là! Il y a eu du désordre dans le village. Attendez, je vais faire passer la nuit dans le lit de fortune. Là. On voit qu'il y a à construire hein, dans le patelin. Je rajouterai des bâtiments. Bon, à déjà finir mon humble demeure. Mon beau manoir. Tu vas remettre... Oui, fais un copier-coller. Fais un copier-coller, Fun.
Message de Fun Fan 1992, une femme corse, qui est en corset, qui est origine d'Écosse. Je peux tenter de lui faire la cour, mais ça va se corser pour moi car son mari sera jaloux. Pas mal, y'a de l'idée. Eh bien, je crois que t'as inspiré en effet. Oh, la cloche. Bah, c'est le même monsieur là, non? Attendez, paysans, mais j'ai pas que des paysans dans le patelin. Il y avait d'autres professions, il y a un boucher, il y a un tailleur de pierre, il y a peut-être même un prêteur sur gage, je sais pas moi. Ne me dis pas qu'ils sont tous morts. Oh merde. You. Oh la tristesse. Mais sérieux? Pourquoi le village est dépeuplé? Oh, ça me donnerait presque envie de tricher, là. Ah. Ah, bah voilà, il y a deux personnes. Ah non, il veut pas commercer. Non plus. C'est des villageois lambda. Tricher dans le sens que je m'approprie via commande serveur des œufs. Alors, ça peut paraître bizarre, mais les villageois, on les génère comme toute créature vivante par des œufs. Oui, mais non, mais... Oh! Tailleur de pierre, tout ça, il n'y a plus. Oh là là. Où sont-ils passés? Ils se sont fait décimer, c'est pas possible. Oh, quelle tristesse. Non, bah je vais faire mon vilain, c'est ce que je veux faire. C'est-à-dire que je vais générer des... Ah, attendez. Ils sont peut-être chez moi. C'est vrai qu'ils ont un malin plaisir à rentrer chez moi. Ils prennent leurs aises, les salopios. Et ils considèrent mon manoir comme étant un hôtel en libre service. Ils m'ont déjà fait le coup. Ils sont peut-être même dans la piscine. Non? Non, j'ai personne dans le bain. Ok. Ah, j'entends du monde. À part le chat, évidemment. Où êtes-vous? Alors que là aussi, on voit que j'ai pas fini de poser les vitres, les fenêtres. Non, il y a personne dans la... Ah! Oh! Ah, c'est un... Prout-prout, un armurier. Chercher le nom. Je me perds dans mon propre chez moi. Oui, l'escalier du haut, il est là. Ah, un autre chat. Osiris, aux beaux yeux bleus. Ouh, Osiris, regarde-moi. Osiris. Voilà. Le bel Osiris. Non, il y a personne en haut. Alors ici, à terme, ça va être un salon, mais alors top confort avec une chambre, je vous dis pas. Je vous ferai évidemment visiter. Mais... mon manoir, je vais me le bichonner, ça va être un régal. Et là, ce sera le grenier. J'ai commencé d'ailleurs à faire le toit. Le grenier, où il y aura peut-être même là, je pense que je vais m'aménager une terrasse, un truc, je vais voir. J'ai commencé à poser le toit, il faut que je termine. Top confort. Le goût du luxe. La magie Minecraft. Bon, alors, homo les grands remèdes. Je vais tricher en générant des œufs de villageois. Oh, sont chiants les Undermen de faire des tas de sable dans ma demeure. Oh, ils sont casse-pieds. Ah, attendez, je suis pas allé dans cette bâtisse là. C'est la forge avec les grilles. Il y a personne à la forge. Oh, il y a la meule et il y a personne. Oh, il y a tout le matos qui est là et... Ah, j'entends quand même un gémissement, mais c'est peut-être les assaillants. C'est peut-être les assaillants. Ouais, non, je vais pas prendre de risque. J'allais monter sur la muraille pour essayer de les voir, mais si c'est pour me faire exploser la tronche à l'arbalète, c'est pas la peine. Bon, allez, trichoutage. Oh, tiens, on les voit là-bas. On les a vus devant la porte de grille. J'en ai vu un détalé, là. Il passe plus devant, tant pis. Attendez voir. J'ai peut-être faire la saisie de la commande en restant devant la grille. Et puis, on va... Vous voyez, on les voit détaler. Ah, ah, ah. Au moins, le temps que je retrouve la commande, ça va vous faire de l'animation. Alors, je sais plus comment on fait.
Déjà, est-ce que je peux pas effacer les messages? Hein? Non! Je voulais effacer les messages, pas mon inventaire! Oh mon dieu, je me suis viré tous mes trucs magiques! Oh le con! Oh merde! Oh la catastrophe! Oh non, j'avais des trucs qui valaient une fortune! C'est le... Mais non! Unclear, je veux casser ma commande précédente. Undo, au secours! Je savais même pas que c'était possible! Non! Panique! Mais non! Mais non! Oh, j'ai perdu tout mon matos de luxe! Je me suis mis à poil! Pour moi, clear, c'est effacer un log, un rapport en informatique. C'est effacer du texte, pas effacer un inventaire. C'est bon, bref, je retiendrai la leçon. Tout ça pour générer des villageois. Ah, ah oui, m'en parle pas pour une Britpop, c'est une catastrophe. Bref, give. Give à moi. Minecraft 2. Egg. Non, c'est pas egg. Merdoum, c'est. Oui, villager spam egg, c'est ça. J'en veux déjà 16. C'est déjà bien. Allez, je vais mettre 32 villageois. Allez, hop, on génère des villageois. Je veux voir du peuple, je veux voir du monde. Bon, bah, il va falloir que je m'amuse à Minecraft hors antenne pour refaire mon équipement. Oh, quel idiot je fais. Enfin, vous me direz, en une journée de jeu, ça va se faire, mais... Oh, quel idiot je fais. Allez, je veux de la vie dans ce village. Peuplez-le-moi. Oh, par la magie du démon, j'ai sacrifié tout mon matos par bêtise. Alors, j'espère que vous avez tous des professions différentes. Eh oh, les chaussées aux moines, là. Arrêtez votre chorégraphie, vous êtes fous. Doucement. Mais non, mais... Ne me dites pas que vous avez pas de profession. Oh non, oh, vous êtes terrible. Par défaut, c'est des villageois neutres qui n'ont pas de profession. Il faut qu'ils aillent dans un centre de formation d'abord. Bon, c'est pas grave, je dis ça, ils vont s'accoupler, ils vont faire des petits qui se verront au hasard attribuer des professions une fois arrivés à l'âge adulte. Et puis ils vont repeupler les baraques, ils vont se les accaparer. La preuve, on le voit là, avec l'assaut. Mais merdoum quoi. Oh, cette folie, mais ça donne la nausée. Arrêtez de courir partout. C'est pire qu'un tournage d'Interville là. Il manque vraiment plus que la vachette pour qu'on ait 2-3 qui se fassent encorner là, histoire de rigoler. Mais vous êtes fou. Mais ah! Mais vous êtes fou, vous êtes 50 dans une casse-bas. C'est pas fait pour ça. Ah, au secours! Où est la sortie? Poussez-vous! Poussez-vous! Mais non! Mais je peux plus sortir, bande d'idiots! Au secours! Ah, merci! Oh! Bon, je vais rester, hein. Bon. Attendez, c'est quoi? Oui, non, ça va. Ah oui, mais j'ai même plus de longue vue, j'ai plus rien. Bon, bah voilà, magnifique, je suis à poil. Ouais! Ah là 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 là. Oui, la commande, elle est bizarre, elle est pas logique. Enfin bon, c'est pas la fin du monde. Ils auraient pu mieux nommer leurs fonctions. Oui, oui, bah oui. Mais bon, je retiendrai, quoi. C'est vraiment pas logique. Parce que si je fais encore CLS, c'est une autre forme de... Mais non, la commande n'existe pas. Bref. Ne jamais faire clear dans Minecraft. Voilà, ce sera la leçon du jour. Bon. Et bah, maintenant que je suis à poil, alors que j'ai un invité... Merci, au moins il a eu la politesse de fermer la porte derrière lui. Je vais vous abandonner là, on va aller chez Christella. Ah, à vous les studios. Il m'en fout. Je me referai mon matos hors antenne.
Allez, faites-vous plaisir, papotez, servez-vous dans le frigo. Allez, abus, vas-y, ouais, va. L'autre il est en sueur. Oh, on va se quitter sur cette image. Oh là 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 là, merci à vous d'avoir été là. Aïe 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 aïe. Attendez. Parce que ouais, j'ai le game menu, mais si vous pouvez voir un peu l'agitation des. Voilà. Je fais exprès de vous laisser un peu. Message de FunFan 1992, mais on va sur son stream pas autre part. Oui, on va aller voir Christella. Mais oui, mais oui. Oui, tu fais référence à ta. Ton erreur de tout à l'heure avec le correcteur orthographique, Caneyou. Oui. Attends, 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 attends. On va aller chez Christella, elle est adorable. Bref. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Je vous dis, moi, normalement, alors je dis bien normalement, demain, en ce qui me concerne, 17h-21h, je serai sur du Planet Crafter pour changer un peu les goûts, les couleurs. Et Olive, qui tu attends-toi à ce que je te contacte en MP Discord pour qu'on se... Tu me dis si t'as envie de faire du Stardew Valley, qu'on essaye éventuellement de synchroniser nos agendas, si le cœur t'en dit toujours. Pareil, EJ, là, dans les 5 minutes qui vont suivre, si t'es d'accord pour un jeu en commun, en privé, je te cacherai pas que j'ai envie de faire du mini-golf. J'aime bien le golf en ce moment. Et puis voilà, prenez soin de vous. Merci à vous d'avoir été là. Il faut que je regarde quand même par politesse mes événements. Je sais plus si c'est passé des événements. Bah merci Olive pour ton renouvellement d'abonnement sur mon antenne. Merci tout plein, gros bisous à vous tous, bonne soirée. Et puis voilà, voilou. Ouais, ok, merci Olive. Bah ouais, on se capte en MP Discord. Merci FunFan pour ta modération, les clips, c'est bien. Ça va nourrir la compilation à venir là, dans la quinzaine. Ah oui, à mon avis, dans 15 jours, je vous sors une nouvelle compile d'une heure. Je crois que j'ai suffisamment de clips depuis la reprise après la panne. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Bisous tout plein. À demain, à partir de 17h. Ou environ 17h, je verrai. Ciao, ciao. Et les anonymes, merci à vous d'avoir regardé. Pareil, prenez soin de vous. Bisous, bisous, à la prochaine. Hop, on arrête l'enregistrement. Enfin, si j'y arrive. Oula, il me met déjà du temps pour stopper l'émission. Allez, bisous, à plus.